maintenant, nous allons accueillir Olivier Sauvage, qui va se présenter tout seul et dont vous avez la thématique juste derrière, rendre son site plus persuasif et utiliser l'ergonomie pour améliorer la conversion de son site. Merci. Bonjour à tous. Olivier Sauvage, donc. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis le fondateur d'un blog qui s'appelle Capitaine Commerce. La société Lasrec, oubliez ce nom parce que c'est pas tout à fait ça. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Le Capitaine Commerce, c'est un blog qui est dédié au e-commerce que j'ai fondé il y a 6 ans, juste avant d'entrer dans le groupe 3 Suisse International, et qui à l'époque était très orienté sur tous les conseils pour donner du conseil aux e-commerçants. Aujourd'hui, qui est plus orienté ergonomie et marketing, qui est le sujet dont je vais venir vous parler aujourd'hui. Donc moi, il faut savoir que je suis non seulement blogueur, mais comme il faut bien vivre, je suis aussi entrepreneur. Donc j'ai créé ma propre société il y a 1 an et demi qui s'appelle WeExperience et qui est dédiée justement à l'optimisation des sites par l'ergonomie. Donc l'ergonomie peut être considérée comme un levier marketing. Et donc si j'arrive à retrouver ma présentation, j'ai tout de suite démarré. Je ne sais pas où elle est. Elle a disparu. Ah là, voilà. C'est bon ? Ouais. Juste peut-être avant de commencer, j'avais une question. Je voulais savoir combien il y avait de e-commerçants dans la salle. D'accord, il y en a quand même pas mal. Et il y a des prestataires aussi. Et les autres, ils font quoi? Rien. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de banquiers. Donc, pour démarrer, je vais vous montrer tout de suite, avant de démarrer le diaporama, je vais d'abord vous montrer une vidéo en fait, de ce qu'on fait beaucoup chez WeExperience, qu'on appelle des tests utilisateurs. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette pratique ergonomique qui consiste simplement à auditer des utilisateurs dans le cadre d'un, sur un site internet et en recréant si possible les conditions du réel. Et je pense que c'était, pour moi c'est très important de vous montrer comment ça se passe vraiment dans la réalité, parce que quand on est e-commerçant, la plupart du temps, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. On regarde son site à travers des web analytics, c'est très bien, mais on ne voit jamais ce que font réellement les gens. Et voir ce que font réellement les gens, c'est mon métier. Et c'est un métier qui permet vraiment de comprendre ce qui se passe sur un site internet. Et c'est à partir de cette observation des gens qui surfent sur un site qu'on est capable de savoir comment on peut faire pour optimiser son site. Alors je vais vous en montrer une parce que je la trouve assez, emblématique de ce qui peut se passer sur un site internet. La plupart du temps, on a tendance à croire que ce qu'on a fait est très très bien. Je suppose que vous avez tous participé à la conception d'un site, au moins une fois dans votre vie. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, vous ne manquez rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, en général, quand vous avez travaillé, vous êtes très content de vous-même et vous dites « c'est super, ce site fonctionne très bien, je l'ai bien conçu, les gens vont pouvoir acheter dessus, il n'y a aucun problème ». Et en fait, quand vous faites utiliser votre site par vos vrais utilisateurs, c'est là que vous vous rendez compte que la réalité n'est pas tout à fait celle que vous imaginez. Je vais vous montrer un exemple très simple d'un test qu'on a fait sur La Blanche Porte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent La Blanche Porte, c'est... la plus vieille société de France, elle a plus de 200 ans, mais c'est aussi un grand véadiste dans le Nord. Donc moi, je viens du Nord, de Roubaix, pour être plus précis. Et on a fait tester ce site, La Blanche Porte, qui était un site qui a été refondu il y a 2-3 ans, par des utilisateurs, et je précise, et vous allez comprendre pourquoi après, qui sont vraiment dans la cible des clients de La Blanche Porte. Donc je vous montre cette vidéo, et après on attaquera la présentation plus en détail. Espérons que ça passe. Un nouveau client. Alors attendez, où est-elle ? Où est la vidéo? Donc on a une dame qui vient de passer mettre des produits au panier et qui va tenter de s'identifier pour passer une commande, pour terminer sa commande. Donc c'est une vidéo de eye tracking. Les points rouges que vous voyez, ce sont les yeux de la personne et les traits rouges, c'est la trajectoire de son regard. Donc là, c'est une cliente Blanche Porte qui commande par catalogue, qui n'a pas l'habitude de commander sur le web et à qui on a demandé justement de passer une commande sur Internet. Alors vous allez voir ce qu'elle va faire. Vous voyez qu'elle a du mal hein, déjà. Alors, ne pensez pas qu'elle est plus stupide que d'autres. Hein. Je vous rassure, il y en a d'autres qui ont fait la même erreur. Donc, on n'a pas choisi que les deux nœuds pour faire ces tests. Je n'ai pas de numéro client. Donc là, elle se demande quel numéro elle doit mettre. En fait, là, vous n'avez pas de numéro client. C'est normal si vous n'êtes pas cliente. Donc, vous commandez pour la première fois sur le site. Mais je vous laisse faire comme si vous. Juste, n'hésitez pas à me commenter ce que vous faites. Oui. Alors je précise, ces gens sont payés pour faire ces tests. Ils touchent entre 30 et 40 euros, donc ils font beaucoup d'efforts pour y arriver parce qu'ils tiennent à avoir leur petit chèque. Oui, parce que je ne l'ai pas vu avant. Oui. Vous voyez à quel point ça peut Je vais tenter. 06 11 et je vais faire 84. Voilà. Les 4 premières lettres de votre nom. Vous êtes nouveau client. Oui. Voilà. Donc c'est difficile à croire, pourtant c'est la réalité. Je peux vous dire que c'est pas la seule qui a le problème. On va la laisser terminer gentiment parce que ça a duré encore, je crois, 5 minutes.
Mon petit point. Où est-ce qu'il est, mon petit point? Bon, elle va trouver son... Oh bah zut alors. On va lui remettre en fait, hein, je crois, parce que... Ah, le point, il est là. Il est là, hein. Alors, et qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Allez, on va cliquer voilà, une fois là. Je valide. Hop. Et on va cliquer sur l'autre sens, on ne sait jamais. Voilà. Je vais arrêter là. Je n'ai pas valide. Oh non. Donc. Alors, je ne sais pas comment on arrête la vidéo. Voilà. Je voulais vous montrer ça parce que c'est particulièrement frappant et pensez pas que c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui arrive à peu près tout le temps sur tous les sites, notamment dans la partie tunnel de commande. Et c'est une chose qui est extrêmement importante parce qu'en fait, quand vous voyez ça, vous comprenez qu'en fait, tous les utilisateurs d'un site web ne sont pas les mêmes et ne pensent pas comme vous. Ils ne sont pas des experts. Je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge entre vous, mais on sait qu'à partir, par exemple, de 55, 60 ans, c'est beaucoup plus difficile pour les gens d'utiliser Internet. Même à partir de 35, 40 ans, c'est moins évident que pour un jeune qui a 25 ans. C'est pas en tout cas les mêmes problèmes qu'on va rencontrer. Donc c'est vraiment important de comprendre ça et c'est vraiment la base de l'optimisation des sites en e-commerce. C'est vraiment de comprendre ce que fait l'utilisateur. Si vous ne vous intéressez pas à l'utilisateur et si vous pensez que vous pouvez arriver à améliorer l'ergonomie d'un site uniquement en vous reposant sur votre instinct, votre savoir-faire ou je ne sais pas quoi d'autre, vous n'irez pas très très loin. Donc c'est de ça dont je vais essayer de vous parler et voir comment on peut faire justement pour, à la fois en s'appuyant sur son expertise et à la fois en s'appuyant sur les utilisateurs, voir comment on peut optimiser un site e-commerce en ergonomie et comment ça peut même générer du chiffre d'affaires en plus. On démarre. La première chose dont je voulais vraiment vous parler, c'est que l'ergonomie, bon, je ne vais pas vous donner la définition de l'ergonomie, l'ergonomie, c'est plus qu'un métier, c'est une expérience, c'est un ensemble de savoir-faire que tout le monde peut acquérir, plus ou moins, en fonction du temps qui passe à essayer de comprendre les sites Internet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'abord, première chose, l'ergonomie, il y a des règles qui marchent pour tous les sites Internet. Il y a des règles qui marchent pour tous les sites Internet. Pourquoi ? Parce que tous les êtres humains obéissent à peu près aux mêmes lois. Ils ont la même façon de réagir. Par exemple, quand vous êtes à un carrefour, que vous arrêtez un feu rouge, quand le feu passe au vert, instinctivement, vous appuyez sur la pédale de l'accélérateur et vous passez. En ergonomie, c'est la même chose. Il y a plein de choses qui vont vous faire réagir, les formes, les couleurs, etc. Donc il y a tout un ensemble de lois, de règles comme ça, qui sont immuables et qui s'appliquent pour tous les sites. Alors, je vais vous en donner quelques-unes en exemple. Hein. Ce n'est pas forcément des choses extrêmement compliquées. Une des plus connues et une des plus rigolotes, je trouve, parce que celle-là, je l'aime bien, c'est la loi de Fitz. Donc Fitz, c'est un scientifique américain qui a passé des années à trouver ça. Et qui, en fait, alors il y a un petit problème de typo, mais c'est plus qui nous a dit qu'en fait, plus une cible était proche et grande, plus elle est facile à atteindre. Ah oui, je crois que ça en a un problème de PowerPoint. Bon, c'est pas grave. En fait, ça semble tout bête à comprendre, mais en fait, plus un objet est proche et plus il est grand, plus il est facile à cliquer. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est évident, ça me semble normal. Pourtant, ce n'est pas une loi qu'on retrouve appliquée systématiquement sur les sites web. Et c'est pourtant une loi très importante parce qu'elle va faciliter vraiment la navigation des gens. Pour vous donner un exemple plus concret sur le web, si on regarde par exemple cette page panier, ça c'est la page panier, vous l'avez tous reconnue, j'espère, celle de 3 Suisses, vous vous rendez compte que vous avez deux boutons pour suivre. Alors je passe sur le wording, le libellé, qui n'est peut-être pas forcément le meilleur wording possible. Mais pourquoi vous avez deux boutons, un en haut et un en bas? C'est pas pour faire joli, évidemment. C'est justement pour appliquer cette loi de Fitz. En fait, avoir un bouton en haut ou en bas, ça permet, quand vous avez une page longue, d'être toujours au plus proche de ce bouton de validation pour passer à l'étape suivante. Donc si vous êtes plutôt avec un seul produit, comme c'est le cas ici, et que votre souris est plutôt en haut de l'écran, vous pouvez cliquer sur le bouton poursuivre plus rapidement que sur le bouton qui est en bas. Par contre, si vous avez une liste longue de produits, et que votre bouton en haut pour suivre va disparaître, vous retrouverez le même bouton pour suivre en bas, et vous allez pouvoir l'atteindre plus vite. Il est plus proche de vous. Ben ça, c'est une application directe de la loi de Fitz, que vous pouvez aussi appliquer sur votre site dans quasiment tous les cas. Et cette loi de Fitz s'applique aussi, par exemple, sur la taille des boutons. On dit que plus ils sont grands, plus ils sont cliquables, ce qui veut dire qu'il ne faut pas hésiter, en général, à essayer... Là, j'ai plus de... Ah si, ça y est, ça remarche. Une autre règle basique et essentielle, on va passer, hein, c'est de la théorie, mais je vous explique quand même parce que c'est des choses qu'il faut savoir quand même. C'est deux lois en fait, c'est la loi de la proximité et la loi de la similitude.
et ce sont des lois auxquelles tout le monde obéit, qui permettent justement de faire la distinction entre les objets. L'ergonomie, c'est beaucoup l'observation des formes et des couleurs. Là, par exemple, la loi de la proximité fait que vous distinguez deux groupes d'objets. D'accord ? En fait, vous les différenciez. Donc, vous voyez bien qu'ils sont séparés par un espace vide. Et instinctivement, vous allez vous dire que ces objets-là ne sont pas les mêmes, simplement parce qu'ils sont séparés. On verra ça, que ça aussi, ça s'applique très fortement sur les sites e-commerce. Donc, la règle veut que si ces objets-là étaient regroupés, ils auraient la même fonction. Et puisqu'ils sont éloignés, on a l'impression instinctivement qu'ils n'ont pas la même fonction. Autre application, alors cette fois-ci, la loi de la similitude. C'est un petit peu, en fait, c'est à peu près la même chose. Des choses qui tendent à se ressembler par la couleur ou par la forme, vous allez avoir tendance à les associer systématiquement. Ici, c'est un très bon exemple directement pris sur le web. Alors, je sais bien que le iPod Nano ou iPod Shuffle n'existe plus sous cette forme-là, mais qu'importe. Vous vous rendez compte qu'en fait, le bouton choisir qui permet de sélectionner un des produits est assez éloigné du produit, ce qui n'est pas une bonne chose en théorie, mais que quand vous passez la souris dessus et vous voyez le change de couleur, je ne sais pas comment il faut que je mette le micro, et prend la couleur du iPod, ce qui vous indique qu'il correspond en fait à cet iPod-là et vous pouvez le choisir. Parce que je ne le tiens pas bien ? Ah, j'ai la main sur l'antenne. D'accord. Merci, monsieur Martineau. Donc là, c'est une application directe de cette loi de la, similitude. Pardon. Donc vous voyez que ce sont des choses très très simples, mais qu'on retrouve en pratique sur quasiment tous les sites internet. Et que, en général, vous appliquez assez instinctivement, puisque vous obéissez vous-même à ces lois. Un autre concept qui est très important, et celui-là qui est souvent mal interprété, c'est le concept d'affordance. Alors, j'aime bien utiliser ce mot parce qu'il est un petit peu, on dirait qu'il est un peu scientifique et compliqué. Mais en fait, il veut simplement dire que un objet, c'est la, enfin, il suggère la, c'est, en fait, il veut simplement dire que l'affordance, c'est la capacité donc d'un objet à suggérer sa propre utilisation. Là, j'ai repris une petite image que j'ai trouvée sur Google. Et effectivement, qu'est-ce qui vous dit ici à droite que l'objet, enfin à gauche, l'objet, vous allez pouvoir le lancer, et qu'est-ce qui vous dit qu'à droite, cet objet, vous allez pouvoir vous asseoir dessus? Vous voyez qu'en fait, c'est un ensemble de formes et de couleurs qui vont être projetées sur votre cerveau, si je puis dire, et qui vont vous indiquer que l'objet sert à telle utilisation ou à telle utilisation. Alors évidemment, ça paraît évident comme ça quand on voit une grenade et une chaise, parce que ce sont des objets de la vie courante. Alors, peut-être pas pour la grenade, mais pour la chaise, oui. En tout cas, ce qui se passe dans le web est un petit peu plus subtil, évidemment, parce que c'est un domaine qu'on connaît un petit peu moins. Mais par exemple, si vous prenez le nouveau site de Christophe qui est sorti il y a quelque temps, ici, vous avez trois blocs comme ça. À votre avis, quelles sont les zones cliquables sur ces blocs pour accéder à la suite du site? C'est, pardon, l'objet qui est cliquable? C'est le bloc entier. Voilà, c'est ça. En fait, ça devrait être ça, mais c'est pas ça. Vous pouvez aller voir sur Christophe, là, moi qui l'ai corrigé depuis. C'est uniquement les textes qui ont été rendus cliquables. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, des textes comme ça écrits sur une image ne sont pas du tout affordants. Par contre, un bloc est beaucoup plus affordant. On sait qu'un bloc, en général, on peut cliquer dessus pour exécuter une action. Donc, vous voyez, c'est une notion qui est assez subtile et qui est souvent très mal utilisée. Alors là, en plus, on a aussi un petit mélange de la loi de Fitts, parce qu'en fait, on agrandit la zone de cliquable, de cliquage, qui est en fait le texte, si on voulait bien faire, par tout le bloc. Et puis en bas, un autre exemple un peu plus flagrant, celui-là qui est trouvé sur le site de la mairie de Paris. Alors, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Mais vous voyez bien qu'on a un champ texte après ou avant le bouton rechercher qui est exactement de la même couleur que la barre en fait, où se trouve le champ, en bleu clair comme ça. Donc évidemment, en faisant ça, vous cachez le champ texte et vous cachez son affordance, c'est-à-dire sa capacité à suggérer sa fonctionnalité. On ne sait pas que c'est un champ texte et du coup, on ne le voit pas. Donc ça, c'est des petites choses assez basiques qu'on retrouve souvent comme erreur sur les sites web. Et vous voyez que c'est des notions assez élémentaires. Qui déjà, si elles étaient appliquées la plupart du temps sur les sites, ferait que les utilisateurs pourraient mieux surfer dessus. Mais bon, évidemment, bon, il n'y a pas tant de lois que ça à connaître, il n'y a pas tant de règles que ça à connaître, c'est pas si compliqué que ça, on parle souvent des critères de Bastien Escapin en France, mais ça ne suffit pas à faire un bon site ergonomique, parce qu'on va voir qu'en fait, l'ergonomie ne dépend pas uniquement d'un ensemble de règles, mais de tout un tas de paramètres extérieurs et intérieurs à la fois au site. Alors d'abord, je voulais vous parler aussi de ce qu'on appelle les conventions. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'objet qui se trouve à droite. Donc, c'est un clavier, bien sûr, mais vous avez remarqué qu'il est un petit peu particulier, ce clavier-là, parce qu'il n'est pas organisé comme les claviers que vous utilisez habituellement. Il y a des gens qui connaissent ce clavier-là? Vous l'avez? C'est pas très visible. Mais en fait, ouais, je suis désolé.
Il n'est pas du tout organisé comme notre clavier habituel, en fait. C'est un clavier qui existe depuis les années 50, je crois, qui s'appelle le clavier Dvorak, et qui a été inventé par un chercheur pour améliorer la vitesse de frappe des touches. Et ce clavier, qui est très efficace, en fait, est quasiment utilisé par personne. Pourquoi ? Parce qu'au début du siècle, on a inventé la machine à écrire. Alors celle-là, elle doit dater des années 70 plutôt. Et puis à l'époque, on a organisé, vous devez connaître cette histoire-là, on a organisé les touches des claviers des machines à écrire de manière à ce que les marteaux de la machine ne s'en mêlent pas les pinceaux. Les marteaux ne s'en mêlent pas les pinceaux. Bon, c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, cette organisation de claviers, vous connaissez tous, donc AZERTY, UIOP ou QWERTY, n'est pas du tout la meilleure pour aller le plus vite possible pour taper. La meilleure solution, c'est celle-là. Et pourtant, elle n'a jamais été adoptée. Ben là, on est face à une convention. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une habitude qui a été prise par les utilisateurs. Ce n'était pas la meilleure habitude en termes d'ergonomie, mais comme elle était utilisée par tout le monde, elle a été finalement adoptée. Dans le web, on retrouve aussi également ça. Alors, c'est peut-être un peu moins flagrant. Vous avez entendu parler des liens bleus, évidemment, qu'on soulignait. Alors, les liens bleus ont disparu depuis belle lurette sur le web. Hein, c'était une pratique des années 90 jusqu'au début des années 2000. Mais par contre, alors je vais vous parler beaucoup de sites e-commerce hein, aujourd'hui parce que c'est vraiment ma spécialité, mais par contre, ça veut dire que sur certains sites e-commerce, si vous ne respectez pas ces conventions, si vous vous amusez à faire des choses différentes et si vous n'avez pas de bonnes raisons de faire ces choses différentes-là, vous allez complexifier la lecture de l'interface pour vos utilisateurs. Donc là, j'ai pris un exemple très simple, hein, c'est un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Edict et qui vend uniquement des accessoires pour la tête. Donc c'est un très joli site avec une très belle offre entre parenthèses. Et je vous ai mis quelques conventions, il y en a d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais elles paraissent très simples. Simplement, si vous ne les respectez pas, encore une fois, vous risquez d'aller au-devant de certains problèmes. Alors les conventions les plus classiques, c'est évidemment que le logo se met la plupart du temps à gauche, en haut à gauche, et qu'on met une baseline en dessous. Alors c'est vrai qu'il y a des sites qui ne le mettent pas là, on verra tout à l'heure qu'il y en a qui ne le font pas. Mais c'est quand même là, en général, que les utilisateurs vont regarder en premier quand ils arrivent sur un site pour identifier ce site. Donc si vous mettez votre logo au milieu, en bas, à droite, je ne sais où, vous allez créer une difficulté pour l'utilisateur. Donc c'est tout bête, hein, ça dure une fraction de seconde, mais c'est déjà une difficulté en plus. Ce qui est assez fréquent et qui est une convention à mon avis importante aussi, c'est le numéro de téléphone qu'on met en haut. Ça rassure. Si les gens ne le voient pas, ben voilà, ils vont devoir le chercher ailleurs, en bas, ou ils vont peut-être pas le trouver, sachant que le numéro de téléphone est un élément de rassurance important sur les sites de e-commerce. Ce qu'on retrouve tout le temps, c'est l'accès au compte en haut à droite. Encore une fois, ne le mettez pas là. Vous allez créer un effort, vous allez demander un effort supplémentaire à vos utilisateurs. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses qui semblent basiques, que vous avez déjà dû voir sur plein de sites et que vous avez déjà peut-être fait vous-même. En tout cas, évitez de ne pas faire la même chose. Sinon, vous risqueriez de vous tromper. Pareil pour le panier, en général, on le retrouve en haut à droite. Donc ça, c'est pour ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Et puis, quand on se retrouve sous la ligne de flottaison, on retrouve aussi des choses. Alors, c'est moins systématique, mais on a souvent les éléments de rassurance qui sont en bas, comme ça, iconisés avec du texte. C'est pourquoi on les met là, parce que les grands sites ont imposé un peu cette convention et que si vous ne les mettez pas, vous allez demander encore une fois à vos utilisateurs d'aller les chercher et de ne pas les trouver. On met de plus en plus les outils de communication comme Twitter ou Facebook en bas avec la newsletter, en bas à droite. Et puis tout ce qui est mention légale, les liens d'information, c'est en général tout le temps en bas. Donc quand vous ne faites pas ça, voilà, vous sachez que vous sortez des conventions. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien du tout. Ça veut dire simplement que vous devrez avoir des bonnes raisons pour sortir de ces conversions. De ces conventions et que vos utilisateurs arrivent à s'y retrouver sur votre site. Donc voilà pour les conventions. Alors, ces conventions, comment elles apparaissent ? Parce qu'en fait, ce n'est pas des règles d'ergonomie. Hein. Il n'y a pas un ergonome qui a dit « logo, il faut le mettre en haut à gauche hein, », ça c'est pas vrai. Elles apparaissent en fait, en général, du fait des grands sites e-commerce. Pourquoi ? Parce que ce sont les sites qui sont les plus visités. Ils reçoivent des millions de visiteurs par mois. Hein. Si vous prenez un 3Suisse ou un Cdiscount ou un Pixmania ou peut-être un Zara un peu moins, c'est des sites qui reçoivent des millions de visiteurs. Donc vous pouvez être quasiment sûr que chaque fois que quelqu'un vient sur un de vos sites à vous, il est déjà passé au moins une fois ou même plusieurs fois sur ces sites-là. Et donc il a tendance à les utiliser plus souvent que le vôtre. Et en général, il s'habitue à ces sites. Donc ces sites vont créer des habitudes. Et ces habitudes-là, vous devrez les respecter. Ou en tout cas, vous en inspirer. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut systématiquement copier tout ce que font les grands sites. Parce que je peux vous le dire, ils se trompent aussi assez souvent. En tout cas, c'est toujours bon, quand vous créez un site internet, de vous inspirer des conventions de ces grands sites. De bien étudier s'ils sont similaires d'abord à votre type de marché, à votre cible client, etc. Et puis de voir quelles règles ils ont mis en œuvre en termes d'ergonomie. Donc, vous voyez, c'est assez varié. Et en fonction des produits qu'ils vendent, vous voyez que ce n'est pas forcément toujours la même sorte de mise en page. Donc ça, c'est une règle vraiment à retenir. Un, on a vu qu'il y avait des règles absolues en ergonomie. Deux, on a vu qu'il y avait des conventions qu'il fallait respecter. Mais, encore une fois,
C'est pas aussi simple parce que, en réalité, en plus en tout cas de ces deux axes d'optimisation, chaque site obéit à ses propres lois. On va voir pourquoi. En fait, une bonne ergonomie, c'est la conjonction de tout un tas de facteurs différents. Et si on regarde les sites, on s'aperçoit d'une première chose, en tout cas en termes de e-commerce, ce qui est assez évident, c'est qu'ils ne vendent pas tous la même chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, pardon. Alors là, je vous ai mis trois exemples très triviaux. Le paquet de pâtes, il n'y a pas tant de sites que ça qui vendent des pâtes en ligne. Les chaussures, il y en a beaucoup plus déjà. Les bijoux, il y en a pas mal aussi. Et on s'aperçoit, si vous êtes un petit peu perspicace, que ce ne sont pas tout à fait le même genre de produits, puis qu'on n'achète pas des pâtes comme on achète un collier. Les pâtes, vous les achetez en général très fréquemment, une fois par semaine, voire peut-être même plus. Si vous êtes un étudiant, vous en achetez tous les jours. Les chaussures, c'est déjà plus rare. Vous en achetez une paire ou deux ou trois par an, peut-être plus si vous êtes une femme. Mais bon, en général, c'est la moyenne. Et puis le bijou, alors là, c'est en tout cas la bague de fiançailles, par exemple, c'est un achat qu'on fait en général une fois par an, ou enfin, en fait plutôt une fois dans sa vie, pardon. Enfin, moi, c'est une fois par an, mais bon. Alors, ça, c'est l'aspect fréquence d'achat, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez bien qu'un paquet de pâtes, c'est beaucoup moins cher qu'une paire de chaussures, que, évidemment, des bijoux. Donc tout ça, ça va aussi influencer sur votre ergonomie. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas copier l'ergonomie de n'importe quel site. On parlait des grands sites. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les mêmes produits, qu'on ne les vend pas de la même façon. Un paquet de pâtes, par exemple, on l'achète fréquemment. Ce qui est bien, c'est de pouvoir le mémoriser dans une liste d'achats. Et c'est ce que font la plupart du temps les sites de courses en ligne. Parce que vous y revenez souvent et vous n'avez pas envie de perdre du temps à chaque fois à retrouver votre paquet de pâtes. On doit pouvoir le recommander facilement, donc faciliter le processus d'achat. On imagine que sur ces sites-là, les sites qui vendent des produits alimentaires, le paiement peut se faire en une étape, parce que c'est des choses où il n'y a pas tellement de risques. Ok, on se trompe, c'est pas très grave. Et puis on fait l'achat fréquemment, donc on n'a pas envie de perdre du temps dans un tunnel de commande. Et puis, autre conséquence, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'informations sur le produit. Pourquoi ? Si je prends l'exemple des pâtes, bah des pâtes, c'est des pâtes. Alors évidemment, vous pouvez mettre, je ne sais pas quoi, la valeur calorique ou autre chose, mais en tout cas, vous les connaissez déjà très bien, vous les avez déjà vus en magasin, vous les avez déjà achetés et mangés plein de fois, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'informations. Dès qu'on rentre dans des produits un peu plus impliquants, donc comme les chaussures, qui sont quand même un produit assez courant, mais qui coûte un peu plus cher évidemment, il faut qu'on commence à apporter d'autres informations. Donc l'ergonomie ne va pas être non plus la même. Il faut qu'on puisse comparer facilement les chaussures. Vous savez que les chaussures, c'est quand même des produits qu'on aime bien toucher, qu'on aime bien voir. Donc il faut permettre aux gens de pouvoir comparer plusieurs paires. Quand on va dans un magasin de chaussures, en général, on ne va pas directement prendre une paire et on l'achète. On en regarde plusieurs, on les compare, on veut se faire un avis. Donc c'est important de pouvoir avoir un comparateur dans ce type de magasin. Il faut aussi beaucoup rassurer, parce que vous le savez tous, le problème avec les chaussures, c'est la taille. Et quand on commande une paire de chaussures qui n'est pas sa taille, on veut pouvoir rapporter ou rendre facilement cette paire. Donc il faut rassurer sur la livraison, sur les retours, etc. Donc il y aura beaucoup d'informations là-dessus. Et puis j'ai mis promotion, je ne sais plus pour quelle raison, mais ce n'est pas grave. J'imagine que vous avez déjà compris le principe. Et puis quand on est sur des produits beaucoup plus luxueux, très chers, etc., il faudra mettre l'accent sur le site beaucoup, sur la rassurance, sur le paiement, mettre un cadenas pour prouver que le paiement est bien sécurisé. Peut-être avoir un tunnel de commande un peu plus long, histoire de laisser le temps aux gens de réfléchir quand ils vont acheter leurs bijoux. Et puis, il faudra aussi beaucoup travailler sur le merchandising, parce qu'un bijou sur un écran d'ordinateur, c'est pas terrible. Donc, il faudra faire beaucoup plus de photos, des belles photos en grand écran, peut-être des vidéos, offrir du rêve. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pas la même approche. Alors, évidemment, on n'a rien inventé avec le web. Tout ça existe déjà en magasin. Simplement, dans le web, on est encore dans une phase où on apprend tout ça, on apprend à recréer tout ça. Et c'est encore beaucoup de travail. Alors, un petit exemple rapidement, le Chrono Drive, je ne sais pas si vous le connaissez, ça a commencé à s'implanter dans la région. C'est l'émanation du groupe Mullier. Donc, il permet de faire ses courses en ligne et puis d'aller les chercher dans une station service de courses. Vous voyez que c'est un site qui est complètement adapté aux courses, donc avec des listes de produits assez longues, mais avec des descriptifs courts. Un bouton d'ajout au panier, on clique dessus, hop, le produit est directement dans le panier. Là, on ne le voit pas, mais en fait, la liste de courses est tout le temps présente à l'image sous le panier, de manière à ce qu'on puisse savoir tout le temps où on en est, exactement comme quand on fait ses courses au supermarché et puis qu'on a son caddie devant soi, on sait toujours ce qu'on a dans son caddie. Je vous fais remarquer que ce n'est pas le cas sur tous les sites. Il y a plein de sites où on ne voit pas ce qu'on a dans le panier. Mais là, c'est vraiment important. Allez le voir, c'est un très beau site, il est très bien fait. Il y a plein d'idées à appliquer sur Chrono Drive. Donc ça, c'est un exemple. Je ne l'ai pas décortiqué. Un autre exemple que j'aime beaucoup, parce que celui-là, il n'est pas très connu en France. Alors, vous savez que le marché de la chaussure est extrêmement concurrentiel. Il y a beaucoup de marques qui sont apparues depuis un ou deux ans sur le marché français, notamment Zalando, qui est une marque allemande. Ça, c'est Mirapodo, c'est un site allemand qui est une émanation du groupe Otto, qui est le numéro 1 de la VAD en Allemagne, et qui est vraiment très innovant en termes d'ergonomie. Donc, vous voyez encore une fois que ici, le site s'est adapté aux produits, notamment
Ce que j'aime bien, c'est que quand vous êtes dans une liste de produits comme ça, si vous passez votre souris au-dessus des photos des chaussures, elles tournent en 360, ce qui est vraiment très pratique parce que vous pouvez aller beaucoup plus vite pour regarder différentes paires de chaussures tout en restant sur la page rayon. Vous notez aussi en haut, à droite, des boutons. Alors vous voyez, marqué Ansicht, ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire à peu près la vue, voilà, c'est ça, merci. Vous avez trois types de vues. Vous pouvez voir les chaussures en tout petit, ce qui vous permet de parcourir une page rayon avec 50 ou 60 produits d'un seul coup d'œil. C'est très pratique. Et puis vous avez une vue produit par produit où vous pouvez vraiment zoomer en plein écran sur le produit, faire tourner le produit comme si vous le teniez dans votre main. Donc c'est vraiment très très bien fait. Et ça, encore une fois, c'est spécifique plutôt à ce marché de la chaussure. Alors évidemment, j'ai mis les filtres parce qu'il faut avoir des filtres. Hein. Quand vous avez beaucoup de chaussures, il y a un critère qui est hyper important, c'est forcément la taille, c'est le style. Voilà, c'est pas un produit alimentaire, c'est un produit un peu impliquant. Donc on n'a plus tout à fait la même ergonomie. Bon, j'ai pas mis d'autres exemples. Ah si, j'ai mis un autre exemple que je commente rapidement parce qu'on est sur un autre produit qui marche très très bien sur Internet, qui est le voyage. Vous connaissez peut-être EcoTour, il y a un peu de publicité qui passe à la télévision actuellement. Encore une fois, on est sur une autre approche. Par exemple, dans EcoTour, on n'a pas de rayon, pas du tout de menu principal, hein, comme sur tous les sites. On a juste un moteur de recherche que vous retrouvez ici en haut à gauche et qui est assez complexe parce que vous avez beaucoup de critères. Vous pouvez choisir le prix du produit, vous pouvez choisir votre destination, la durée du séjour et ça vous emmène ensuite sur une liste de produits. Vous voyez dans une présentation qui n'est pas la même non plus que sur un site de produits alimentaires ou un site de chaussures. Donc, ce qu'il faut bien retenir là-dedans, c'est que chaque site a sa propre ergonomie, rien qu'en fonction du produit. Voilà. Ce n'est pas la même chose, encore une fois, de vendre des fleurs ou de vendre des chaussures ou de vendre des petits pains en ligne. Votre ergonomie doit s'adapter à ça. Autre facteur influençant sur l'ergonomie, et pas des moindres, on va voir pourquoi, c'est la marque. Alors évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, parce que déjà, une marque, il faut en avoir une. Ce n'est pas forcément évident. En tout cas, si vous avez une certaine notoriété ou si vous voulez instiller un esprit de marque à votre site, vous allez voir que la marque peut influencer beaucoup sur l'ergonomie. Alors, j'ai pris un exemple très flagrant parce qu'on a travaillé une fois avec eux et c'est des gens extrêmement exigeants. Bon, vous connaissez tous Chanel. Chanel, ils ont une charte graphique extrêmement exigeante. C'est du noir, c'est du blanc. Enfin, il y a tout un tas de règles qu'on est obligé de respecter. Et si on ne les respecte pas, on se fait virer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qui est différent chez Chanel? Vous le voyez tout de suite. Chanel, c'est quasiment un des seuls sites qui met son logo en bas. Donc c'est extrêmement rare d'avoir un logo de marque en bas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça chez Chanel, on le met en bas, ça fait plus classe. Et encore plus fort, le menu de navigation principal est caché dans le logo. Donc ça, c'est anti-ergonomique au possible. N'importe quel ergonome vous dirait que c'est complètement stupide de faire ça. Eux l'ont fait, donc si vous cliquez sur Chanel, allez voir, vous verrez, il y a le menu qui se déroule et vous pouvez accéder au reste du site. Ça, c'est qu'un menu secondaire, en fait. Autre exemple assez amusant, le moteur de recherche, qui est bien caché en bas à droite. En bas à droite, déjà, ce n'est pas du tout la position qu'on utilise habituellement pour les moteurs de recherche. Je rappelle qu'il vaut mieux les mettre en haut, au milieu. Et en plus, le champ texte est caché. Alors, vous voyez la ligne blanche. Au-dessus de la ligne blanche, vous avez le champ texte en noir sur fond noir. Vous ne le voyez pas, donc c'est extrêmement pratique. Les gens ne le trouvent pas, mais c'est Chanel, donc voilà, on respecte la marque. Donc ça a aussi un impact sur l'ergonomie. Et il faut savoir le respecter. Donc vous voyez que on est dans une complexité quand même beaucoup plus grande au départ que simplement savoir s'il faut mettre un bouton en haut, à droite, à gauche, de telle couleur ou telle couleur, mais vraiment d'une complexité qui tient compte de l'utilisateur et de tout un tas d'autres critères. Et puis là, je vous ai mis mon site préféré, c'est Cdiscount, parce qu'eux, ils font tout contre l'ergonomie. Je pense qu'ils ont décidé en fait de tuer les ergonomes et de mettre fin à cette caste. Donc plein de typographies différentes, donc c'est complètement illisible évidemment. Des couleurs partout, ça clignote de partout. C'est une catastrophe, voilà. Mais c'est le numéro 1 français du e-commerce, donc voilà, ils ont prouvé qu'ils avaient raison. En fait, c'est pas si vrai que ça, parce que le principe de Cdiscount, c'est de retrouver l'esprit de bazar quand vous allez dans un bazar ou chez un brocanteur. Plus vous avez de bazar, plus vous êtes content, et plus vous avez l'impression de faire des affaires. Et ben, c'est exactement ce que fait Cdiscount. Ils vous donnent l'impression qu'il y a énormément de choses chez eux et que vous allez forcément faire une bonne affaire parce que ça ressemble à un magasin de discount, évidemment. C'est criard et c'est surchargé. Et surtout, c'est un vrai parcours du combattant avant d'arriver à trouver quelque chose. Par contre, quand vous l'avez trouvé, vous êtes tellement content de l'avoir trouvé, vous l'achetez, vous ne le lâchez plus. Et c'est ça vraiment le principe de Cdiscount. C'est pour ça que c'est si moche. Bon, j'espère qu'il n'y a personne de Cdiscount ici. Bon, là, on a vu pas mal de choses, mais on a oublié le principal, c'est l'utilisateur. Alors évidemment, quand on fait un site internet, et moi-même j'en ai fait pendant un certain temps, on a toujours tendance à penser pour soi en disant « moi j'y arrive, donc si moi j'y arrive, tout le monde y arrive ». Ou alors, si on est un peu plus intelligent, on va se dire
Moi, j'y arrive, mais je sais que les personnes de plus de 50, 55 ans ne vont pas y arriver. Donc, je vais faire des boutons plus gros et agrandir mes typos. Et puis voilà, je serai content, ça ira bien pour tout le monde. Ou alors, je vais faire un site pour les jeunes et je vais écrire tout petit, faire des boutons tout petits, enfin vice-versa, quoi. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. En réalité, il faut raisonner en se mettant à la place des utilisateurs. Sachant qu'il n'y a pas qu'un seul type d'utilisateur, vous l'avez bien compris, on est tous différents les uns des autres. Alors le but, évidemment, ce n'est pas de lister tous les types d'utilisateurs qu'il peut y avoir au monde, parce que vous y passeriez un certain temps. Par contre, c'est de créer ce qu'on appelle des personas que vous voyez là. Ça, c'est des fiches qu'on avait créées pour EcoTour, justement, et puis pour un autre site dont j'ai oublié le nom, et qui sont en fait des faux personnages à qui on va attribuer des comportements particuliers. Et ces faux personnages-là, donc des personas, persona en latin, ça veut dire masque, donc vous allez pouvoir mettre un masque. Et en vous mettant à la place de ces personnages-là, vous allez pouvoir étudier un site et vous mettre à la place des gens et comprendre comment ils fonctionnent. Et c'est assez efficace, justement, à la fois pour concevoir une interface et à la fois pour analyser et auditer une interface. Et vous verrez que quand vous mettez à la place des gens, vous ne raisonnez pas forcément de la même façon pour tout le monde. Vous allez voir qu'il y a des informations qui sont plus importantes pour certains que pour d'autres. Alors là, j'en ai mis quelques exemples hein, pour m'amuser, mais... on peut imaginer plein de choses. Alors là, c'est vraiment la caricature, la e-shoppeuse professionnelle. C'est la femme qui va lire, par exemple, Elle Magazine, etc. Elle achète 3-4 fois par mois sur Internet, donc elle est très habituée au site e-commerce. On peut être sûr qu'elle fréquente au moins 3 Suisses et la Redoute, plus les sites de mode les plus à la mode, justement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme site de mode. Il y a Asos, bon, il y a peut-être d'autres, hein, je regarde les femmes, je ne sais pas, vous n'avez pas des idées de sites où vous allez. Bon, bref. C'est même une early adopteur, c'est-à-dire qu'elle est capable même de commander sur son téléphone portable quand elle est coincée dans le métro. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très efficace en termes d'achat, qui a même des moyens financiers par exemple, ou pas, peu importe. Mais ça veut dire que nos sites, notre cible client, c'est ces femmes-là, il faudra adapter notre site à ces femmes-là. Donc respecter à fond les conventions, parce qu'effectivement elles surfent sur beaucoup de sites, donc elles ont des habitudes qui ont été prises et qu'elles veulent retrouver sur votre site à vous, si vous ne leur offrez pas les mêmes conventions. Encore une fois, vous allez les freiner. Il faut que le site soit extrêmement réactif. Elles sont très impatientes, elles aiment la vitesse. Donc il faut que vos serveurs soient rapides, il faut que vos actions JavaScript soient rapides. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de sites qui ne sont pas réactifs du tout. Il n'y a rien de plus énervant pour les gens qui sont pressés d'avoir un site pas réactif. Votre site doit être séduisant et savoir surprendre. Bon, ça va de soi. Mais c'est vrai que dans la mode, c'est plus important en tout cas que dans d'autres domaines. Et puis, pourquoi pas, cette liste n'est pas exhaustive, hein, y a beaucoup d'autres choses, mais intégrer des fonctionnalités de réseaux sociaux, ça paraît évident, mais on ne va pas mettre des fonctionnalités de réseaux sociaux sur un site B2B, ce n'est pas très intéressant. Par contre, sur un site de mode, si vous ne le faites pas, c'est un peu dommage. Bon, ça, c'est un exemple de persona, ce n'est pas très creusé, on aurait pu définir son âge, on aurait pu définir sa CSP, etc. Mais vous voyez que ça, c'est un type de persona qu'il ne faut pas négliger. Un autre, par exemple, c'est l'artisan occasionnel. Alors, pourquoi je l'ai appelé occasionnel ? Parce que c'est quelqu'un qui... est un petit chef d'entreprise, il a une entreprise de 3-4 personnes, c'est peut-être un garage, c'est peut-être pas quelqu'un qui sert d'Internet tous les jours. Par contre, il trouve que c'est bien pratique pour commander, j'imagine, des pièces détachées. Il n'aime pas trop passer du temps sur l'ordinateur, il a autre chose à faire, il n'est pas très à l'aise avec ça. Donc là encore, comment faire pour s'adapter à cet utilisateur-là ? Ben, il va sûrement falloir travailler une ergonomie qui soit un peu plus facile, avoir des pages un peu moins chargées, avoir plus d'informations qui guident l'utilisateur. Par exemple, sachez que... il y a une différence de capacité de lecture entre les personnes, plus elles sont âgées. Si vous prenez souvent les seniors, ont tendance à lire beaucoup plus que les jeunes. Les jeunes, si vous prenez quelqu'un de 20 ans, il lit quasiment jamais sur le web. Il fait tout en fonçant un peu comme un abruti. Alors que, là, non mais c'est vrai, et je peux vous le dire, on a fait ça sur un site d'assurance qui s'adresse aux jeunes. Vous voyez les jeunes, ils cliquent partout, sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'ils bloquent quelque part pour comprendre que visiblement ils n'ont pas fait la bonne action. Par contre, leurs parents lisent bien les choses, alors ils vont beaucoup moins vite, c'est vrai. Par contre, ils ne se trompent pas. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même façon de naviguer. Ben là, c'est pareil, on peut imaginer que ce personnage-là, c'est quelqu'un qui va peut-être lire un peu plus les choses, donc il va prendre plus de temps. Si on ne lui fournit pas cette information-là, il ne va pas être rassuré, donc il faudra travailler aussi sur la rassurance. C'est peut-être quelqu'un qui ne paye pas forcément en carte bancaire, peut-être qu'il n'aime pas ça. Hein, il y a des gens qui ne payent pas en carte bancaire. Donc savoir proposer d'autres moyens de paiement. Encore une fois, c'est qu'un exemple, donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut adapter. Et puis, il y en a une autre que j'aime bien parce que c'est la cliente habituelle des VA10 du Nord. Alors, c'est pas très sympa pour la photo, mais je peux vous dire qu'elle existe. La rurale populaire, c'est les gens qui sont clients de 3 Suisses ou la Redoute ou des vitrines magiques et autres, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des gens qui ne vivent pas dans les villes, qui vivent plutôt dans les villages, dans la campagne. Ils ne sont pas forcément bien équipés, mais c'est des gens qui ont un intérêt très fort à commander sur Internet parce qu'ils ont accès à une offre auquel ils n'ont pas accès habituellement. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils sont complètement récalcitrants. Ils n'aiment pas tellement servir d'un ordinateur. S'ils en ont un, il n'est pas forcément très moderne. Donc il ne va pas très vite. Ils n'ont pas forcément une très bonne connexion. Ils se méfient énormément des paiements en carte bancaire.
parce que bah, pour eux, la carte bancaire, c'est soit par téléphone, soit au sabot, si ça existe encore, mais sûrement pas sur Internet. Donc vous voyez que, encore une fois, vous devez vous adapter à ce type de client. La personne qu'on a vue tout à l'heure dans la vidéo, c'était un peu ce type-là, sauf que ce n'était pas une rurale, puisqu'elle habitait dans la métropole lilloise. Mais vous voyez à quel point un site Internet peut être difficile pour ce genre de personne. Or, si vous êtes un commerçant, bah, il n'est pas question de ne pas vendre à des gens parce qu'ils ne sont pas adaptés à votre site. C'est vraiment votre site qui doit s'adapter à ces gens-là. Encore une fois, vous voyez comme quoi les gens ont une importance prédominante dans la manière dont on conçoit un site Internet. Alors, on a déjà vu tout ça. On a vu quoi ? On a vu qu'il y avait des règles immuables et absolues qui sont des lois humaines. On a vu qu'il y avait différents types d'internautes. Qu'est-ce qu'on a vu encore ? On a vu qu'il y avait des conventions dans le e-commerce. Là, ce que je vais vous faire, c'est vous décrire rapidement quelques bonnes règles d'ergonomie en e-commerce, en sachant qu'il y en a quand même beaucoup. Mais ça ne fait pas de mal de les revoir un petit peu pour vous rendre compte un petit peu des choses que vous pouvez mettre en place sur vos propres sites si vous ne l'avez pas déjà fait. On commence par la page d'accueil. Bon, j'ai mis celle de Camailleux, c'est pas du tout un exemple, c'est pas le meilleur exemple qui soit, mais il y a quelques petites règles comme ça qu'on retrouve sur Camailleux. Alors évidemment, c'est important quand vous êtes une chaîne de magasins, alors tout le monde n'a pas une chaîne de magasins, je suis bien d'accord, en tout cas de restituer l'esprit de la marque, parce que si vous avez des gens qui vont en magasin, qui se retrouvent sur un site qui ne ressemble pas à ce qu'ils ont vu en magasin, bah, ils comprennent pas très bien, soit ils sont déçus, soit ils ont l'impression de se tromper de site. Une chose qui est beaucoup plus importante, c'est le menu principal de navigation que vous retrouvez en haut. Pourquoi il est important et pourquoi il doit être en haut ? Parce qu'en fait, c'est ce menu-là qui va indiquer à l'utilisateur l'étendue de votre offre. Si vous ne montrez pas ça tout de suite, ou si vous le mettez en colonne et que ça descend sous la ligne de flottaison, vous savez que c'est cette barre en bas de l'écran à partir de laquelle les choses sont cachées, vous allez cacher des choses à l'utilisateur et il peut être déçu. Là, vous voyez, vous avez toute l'offre répartie comme cette Camailleux, donc vous savez exactement tout ce que vend Camailleux. Ça, c'est vraiment important de le faire. Et après, ce qu'il faut arriver à faire aussi, contrairement à ce que fait Cdiscount, c'est essayer d'être simple. Alors là, il y a déjà beaucoup d'objets, il pourrait y en avoir un petit peu moins, parce que c'est extrêmement fatigant de lire ces menus. On ne s'en rend pas compte, mais ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'autre sur les pages d'accueil ? Alors, c'est dur pour diminuer le taux de rebond, ça c'est important, parce que votre page d'accueil, c'est votre page d'entrée sur le site, mais vous savez tous qu'il n'y a pas qu'une seule page d'entrée sur votre site, il y en a plein d'autres. Et on peut considérer que la page d'accueil, c'est ce qu'on appelle une landing page, donc une page d'atterrissage. C'est une des pages parmi lesquelles les gens vont arriver sur votre site. Et votre objectif numéro un sur cette page-là, c'est que les gens continuent à surfer sur votre site. Vous savez qu'il faut à peu près 3 secondes à quelqu'un pour se faire une opinion sur un site. C'est vraiment très très court. Vous connaissez la notion de taux de rebond. Hein, c'est le pourcentage de gens qui voient une page et puis qui s'en vont. Cette page d'accueil, il faut absolument qu'elle soit la plus séduisante possible pour éviter que le taux de rebond soit trop haut, donc pour faire rentrer les gens dans le site. Donc typiquement, ce qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui sur la plupart des sites, c'est ce fameux grand carrousel que vous voyez là qui prend toute la page et puis qui défile et puis qui propose plusieurs offres comme ça. Et donc, en général, on a des belles photos dessus, on a un gros bouton, un call to action, comme on dit, commencer le quiz, qui donne envie aux gens de cliquer, là on parle encore une fois d'affordance, et donc qui permet de faire diminuer ce taux de rebond. Bon, alors j'ai mis bien respecter les conventions de la page d'accueil, mais justement je suis en train de vous les expliquer, donc ce n'était pas très utile de le mettre. Ce qui est important par contre, c'est aussi de savoir rendre le site vivant avec de l'actualité. Donc n'hésitez pas à changer souvent vos produits sur votre page d'accueil, n'hésitez pas à mettre de l'actu, à animer cette page, parce que si les gens reviennent sur votre site, en général ils ne viennent pas qu'une fois sur votre site avant d'acheter, ils viennent plusieurs fois, c'est bien de leur montrer que votre site existe, qu'il est vivant, qu'il y a des choses qui bougent, qui évoluent, et qu'ils vont pouvoir peut-être découvrir de la nouveauté ou autre chose. Là, c'est un bas de page d'accueil. Bon, là, c'est toujours Camailleux. Donc, évidemment, mettre des produits sur la page d'accueil, les faire varier. Alors maintenant, vous savez qu'il y a des outils qui permettent d'afficher des produits sur la page d'accueil en fonction du profil de visiteur. Hein, si vous êtes allé sur Amazon, vous avez déjà pu remarquer que si vous aviez acheté un livre sur Amazon, en général, quand vous revenez dessus, il vous pousse des nouveaux produits, d'autres produits qui correspondent à celui que vous avez acheté. Il y a très peu de sites qui font encore ça, parce que ça demande des développements un peu compliqués. Mais en tout cas, vous pouvez le faire, essayer de le mettre en œuvre. Important, et c'est une convention dont on a parlé tout à l'heure, c'est donc de bien remettre les éléments de rassurance en bas de la page. Hein. Les éléments de rassurance, c'est quoi ? C'est tout ce qui concerne le paiement sécurisé, tout ce qui concerne les échanges, les remboursements, tout ce qui concerne l'expédition, etc. Et mettre en bas ces liens de newsletter et réseaux sociaux, et puis les liens institutionnels en bas de page. Bon, c'est des best practices assez simples à retenir. Après, on pourrait parler d'autres choses, hein, j'en ai pas parlé, mais le design est extrêmement important. Il faut vous montrer que votre site est de qualité, et le design transpire la qualité ou pas. Si votre site est mal fait, enfin s'il n'est pas joli, alors même si la notion de beauté et de joli est assez relative,
ça va peut-être faire fuir vos utilisateurs. J'aurais pu faire une slide là-dessus d'ailleurs. Bon, une fois qu'on est passé par une landing page ou par la page d'accueil, en général, on se retrouve dans la page rayon. Alors la page rayon, il y en a sur quasiment tous les sites. Et la page rayon, c'est les rayonnages, comme son nom l'indique. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de chercher votre produit. Donc qu'est-ce qui est important dans une page rayon? C'est un, de bien montrer les produits, évidemment. Donc il faut qu'on ait des photos qui soient quand même suffisamment grandes, surtout si on est dans le domaine de la mode. Mais même dans le cas des produits techniques, il faut savoir que les gens regardent beaucoup les photos, même des produits techniques, avant de regarder les intitulés et les caractéristiques techniques. C'est vraiment un élément de recherche primordial. Donc vous allez devoir valoriser le produit avec vos photos, et faire qu'elles soient le plus grandes possible. Et puis ensuite, les aider à trouver. Alors c'est vrai que maintenant, je pense que c'est devenu une habitude partout, mais il faut avoir des filtres de recherche qui soient adaptés à vos produits, donc par taille, par couleur, etc. Faire que ces filtres activent et rechargent la page directement sans avoir un rechargement. Il faut permettre aux gens, évidemment, de pouvoir voir plus de produits sur une page. Alors parfois, on affiche par défaut que 40 ou 60 produits. Si vous en avez plus, n'hésitez pas à mettre un lien affiché tous les produits. Il y a beaucoup d'internautes qui aiment bien voir tous les produits sur une page pour pouvoir comparer. Si vous ne le faites pas, ils sont frustrés et ça ne leur plaît pas. Donc ils s'en vont. Important, mais plus difficile à mettre en œuvre, c'est les têtes de gondole. J'ai pas fait d'exemple de eye tracking ici, mais en général, les produits qui sont en haut à gauche, les deux, trois premiers produits, sont les produits qui sont les plus vus, qui reçoivent le plus d'attention. Et si vous voulez faire partir des produits plus vite, vous les mettez là, pas en dessous. Pour être sûr que les gens vont les prendre plus souvent. Donc ça, c'est important aussi. Autre notion importante, indiquer toujours à l'utilisateur où il se trouve. Bon, ça dépend des sites, mais quand vous avez une offre qui est complexe, il faut absolument utiliser le fil d'Ariane. Il faut absolument indiquer à l'utilisateur à quel endroit il se trouve, dans quel rayon il est, parce que s'il ne le sait pas, il a tendance à se perdre assez facilement. Donc tout ça, c'est des notions basiques, élémentaires. Si vous les respectez, vous aurez moyen tout de même d'aider vos internautes à trouver ce qu'ils cherchent. Donc ça, c'est la phase 2. On est arrivé sur la page d'accueil, on arrive sur la page rayon. Et puis ensuite, alors je voulais vous montrer une vidéo, justement. Comme ça, on va faire une petite pause en vidéo. Alors, d'un monsieur... Alors, PowerPoint vient de planter, ça, c'est bien. Voilà, mec qui ne trouve pas son produit. Un petit exemple, en fait, intéressant de problème de navigation, et ça concerne quasiment tous les sites Internet. Avant de vous la montrer, je vais vous expliquer juste une petite chose. Vous avez déjà remarqué que sur Google, quand vous faites une recherche et que vous cliquez sur un lien, ce lien change de couleur. Et quand vous revenez sur votre page de recherche, normalement, vous retrouvez la couleur violette du lien. Et ça vous permet de savoir que vous avez visité cette page. Regardez sur à peu près tous les sites e-commerce, cette fonction-là, qui est une base de l'ergonomie, a complètement disparu. Et par exemple, on a ici ce monsieur. D'accord. Donc il va avoir un mal fou à retrouver le produit qu'il était en train de chercher. Donc il est sur... Alors vous voyez, c'est des produits très complexes. Hein, je ne sais pas comment on appelle ça. Avant qu'on finisse la commande, en fait, pour être sûr que vous avez pris celui qui est mieux, est-ce que vous pouvez voir s'il y en a un autre qui correspond au même critère? D'accord. Et choisir après celui qui vous paraît mieux? Ouais, ok, ça marche. Ouais, parce que là, j'ai pas cherché. J'ai pas eu le premier qui vient. alors, trois combinés, tech, standard. Juste, j'interromps juste une petite minute la vidéo parce que je voulais aussi attirer votre attention sur la manière dont les gens regardent les pages web. Vous avez pu remarquer que ça a l'air assez saccadé et chaotique. Alors sachez que en fait, les gens lisent très très peu les pages web et surtout qu'il y a, en tout cas en apparence, il n'y a pas d'ordre de lecture. Donc les gens se focalisent essentiellement sur certains points d'intérêt qui vont eux décider. Mais on peut guider ces points d'intérêt et les aider à trouver ce qu'ils cherchent. Là, en l'occurrence, quand vous êtes dans une fiche produit comme ça qui est très complexe, c'est pas évident de trouver l'information qu'on recherche. Le bouton ajouter au panier ressort bien, mais après, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas forcément où porter le regard. Bon, je termine avec cet exemple. Donc là, il est en train de vaguement de lire. Là, il n'a pas lu en fait. Il a juste scanné vite fait les contenus. Il revient en arrière sur la page rayon. Et là, il commence à être vraiment perdu. Un truc après qui est pas mal aussi sur les sites. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, plutôt que j'écrive à la main. Quand je clique sur un truc, il change de couleur. Voilà. Donc là, c'est bien parce qu'il nous l'a dit lui-même. Vous voyez qu'en fait, sur des produits comme ça, le problème, c'est qu'ils se ressemblent tous. Ils ont quasiment tous le même nom. Hein, regardez bien. Et donc, c'est très difficile de s'y retrouver. Alors, non seulement vous êtes obligé de passer à la page rayon suivante
pour aller voir le détail du produit. Mais quand vous revenez, vous ne savez même plus quel produit vous avez vu. Alors en plus de ça, là on ne l'a pas vu sur cet exemple-là, mais sur ce site-là, quand vous aviez vu un produit qui était en bas de page et que vous reveniez sur la liste de produits, c'était le haut de la page qui se rechargeait. Donc impossible de retrouver votre produit. Donc, vous voyez comme quoi un simple petit effet, un changement de couleur de lien, peut aider un internaute à s'y retrouver. Là, il est complètement paumé. Et sur ce site-là, un des principaux problèmes, c'est la complexité de l'offre. On a des produits électroniques très compliqués. Les gens terminent leur commande la plupart du temps en appelant, parce qu'ils n'arrivent pas à passer commande, ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Comme quoi, c'est important. Maintenant, il faut que je retrouve mon PowerPoint qui a disparu. Il est où ? Ah oui. Non, c'était l'autre. Ah oui, c'est celui-là. Je ne sais plus où j'en étais. Alors, où est-ce qu'on en est ? Voilà, le monsieur qui s'est perdu. Encore les fiches rayons, un petit truc rapide là-dessus. Ça, c'est sur 3 Suisse Belgique, qui est une filiale assez dynamique de 3 Suisse. Et par exemple, ici, ce qu'ils ont fait dans la page rayon, c'est la possibilité d'afficher ce qu'on appelle des mini-fiches produits, et donc qui permettent d'éviter d'aller sur la fiche produit directement, et donc d'éviter de faire des allers-retours entre la page rayon et la fiche produit. C'est tout simple, encore une fois, mais il faut le faire. Et puis, bon, alors 3 Suisses, ils ont les moyens de faire des belles photos, c'est important. Mais ça, ça fait partie des choses comme ça qui sont des best practices sur les pages rayons. Alors, ça ne concerne pas forcément tous les sites. Vous verrez, par exemple, il y a un site comme H&M en Angleterre qui n'a même plus de fiches produits. Il n'y a plus que des mini-fiches produits comme ça et des rayons. Donc, ce qui permet encore d'accélérer la navigation. Donc, ce n'est pas forcément faisable. Si vous avez des produits techniques, évidemment, il faut quand même beaucoup plus d'espace pour mettre de l'information sur les produits. Donc on ne peut pas avoir des mini-fiches produits comme ça. Un autre petit exemple que j'ai trouvé, parce que j'ai travaillé dessus aussi il n'y a pas si longtemps, c'est éviter les effets déceptifs. Cyrillus, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une marque de prêt-à-porter assez haut de gamme. Ils ont une gamme de produits qui est assez petite, je crois qu'il y a 250 références, pas plus. Et là, le risque, c'est quand vous avez des gammes de produits comme ça, c'est que vous vous retrouviez avec des pages de résultats comme ça, avec un seul produit. Alors autant avoir trop de produits, c'est compliqué pour l'internaute, autant avoir un produit, ça donne vraiment l'impression qu'on est arrivé dans un magasin russe des années 20 où il n'y a plus rien, quoi. Donc là, vous voyez, vous n'avez plus qu'un jogging fille, c'est déceptif. Donc il faut savoir éviter ça, c'est pas forcément facile à régler, mais ça fait partie des règles des pages rayons. Sur la fiche produit, donc il y aurait énormément de choses à dire, mais juste rapidement redire quelques basiques. Évidemment, il faut afficher la disponibilité à côté du bouton ajouter, sauf que là je l'ai caché, je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave, mais c'est important de la mettre là. Le bouton d'ajout au panier, il faut vraiment qu'il soit visible, grand, proéminent, il faut vraiment qu'on le voit, qu'il ait une couleur qui tranche avec le reste de la page. C'est important parce que c'est celui-là qui va déclencher la mise au panier. Et la mise au panier, c'est déjà un pas de plus vers la caisse. Plus les gens ajoutent de produits au panier, mieux c'est. Toujours plusieurs photos, c'est une règle immuable pour quasiment tous les sites. Multipliez les photos, multipliez les angles de vue, même rajouter de la vidéo si vous pouvez. Enfin, donner le plus d'informations visuelles sur le produit. Et encore une fois, ce n'est pas des produits qu'on peut toucher. Donc si vous n'avez pas d'image, c'est assez décevant pour l'utilisateur. Et puis, évidemment, je ne l'ai pas mis là, mais on peut avoir beaucoup d'éléments de rassurance qui se trouvent en bas. Ici, des logos Made in Germany, hein, c'est un élément de rassurance. Hein. Les Allemands sont meilleurs que nous, c'est bien connu. Et puis, une chose qui est primordiale, c'est de pouvoir permettre aux clients de rentrer en contact avec le e-commerçant, alors soit avec le sempiternel numéro de téléphone, alors vous pouvez le faire vert si vous voulez et que vous aimez être dérangé au téléphone, ou vous pouvez le faire payant. Et puis aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus, c'est les chats en ligne, comme je ne vais pas faire de la publicité, mais je vais en faire quand même, c'est iAdvise. C'est un système qui est très adapté aux petits marchands, et vraiment, ça permet d'aider à transformer les clients, enfin les visiteurs en clients, en les aidant à trouver le bon produit, en les aidant éventuellement à passer la commande. En tout cas, en règle générale, ce qu'il faut bien comprendre sur la fiche produit, c'est qu'il faut être le plus informatif possible, le plus séducteur quand il s'agit de mode, mais vraiment donner un maximum d'informations à l'utilisateur pour qu'il puisse se faire une idée du produit. Si vous ne mettez pas suffisamment d'informations et si elle n'est pas bien non plus formatée, ça risque d'être compliqué pour lui. Et puis après, permettre, alors je ne sais pas si je l'ai mis là,
Non, je ne l'ai pas mis là, mais par exemple, permettre de rebondir d'une fiche produit à l'autre en utilisant des fonctions de cross-selling, hein, c'est-à-dire faire des suggestions d'autres produits, ça c'est important, ou des produits complémentaires, de manière à toujours relancer la navigation de l'utilisateur. Autre petite chose, hein, c'est en vrac, mais ce qui est important par exemple aussi, c'est d'afficher des couleurs sans ambiguïté. Moi j'ai vu des sites par exemple où on affiche des vignettes couleurs qui ne ressemblent pas vraiment aux couleurs du produit. Et puis, voilà, quand on clique sur du gris, on a un produit qui est blanc, donc on ne sait pas vraiment quelle est la couleur du produit. Là, ce qu'ils ont bien fait, c'est sur 3 Suisses, c'est vraiment que la texture et la couleur du produit est plutôt bien retranscrite. Alors, évitez aussi d'afficher des couleurs avec des mots, simplement, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, rouge, blanc, vert, pour un produit, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Sur Cyrillus, le site qu'on a vu précédemment, il y avait des couleurs craie, des couleurs, je sais pas quoi, automne, mais sans vignette couleur. Donc c'était impossible de savoir de quelle couleur était le produit. Donc évitez ce genre de choses aussi également. Important, pas forcément sur tous les sites, mais quand même sur la plupart des sites, la livraison. C'est une question qu'on se pose, hein, pour les gens qui ne sont pas forcément habitués à acheter sur Internet. C'est à ce moment-là qu'on se demande de combien de temps on dispose pour retourner le produit. J'ai mis la main sur l'antenne. comment est-ce qu'on va être livré, en combien de temps, etc. C'est une information que vous pouvez mettre ici. Vous pouvez même mettre ici des informations sur le paiement. Si vous vendez des produits à forte valeur ajoutée, par exemple du voyage, vous avez vu tout à l'heure, vous ne l'avez peut-être pas vu d'ailleurs, des voyages, ça vaut, on peut avoir des voyages jusqu'à 2000 euros. Or, payer 2000 euros sur Internet, vous faites comment? Vous savez que vos cartes bleues sont plafonnées. Donc, il faut peut-être expliquer à ce moment-là ce qui se passe. Voilà, ça, c'est un élément de rassurance important. Voilà, et puis utiliser les photos les plus grandes possibles sur les sites de bonne. Vous verrez sur 3 Suisses, ils ont fait des super zooms et on voit les photos en plein écran. Donc, ça encore, ça participe de la séduction. Ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Un autre exemple sympa de fiche produit, c'est sur Jules, un site qui est sorti l'année dernière et qui a reçu pas mal de prix, je crois, qui a vraiment innové en termes d'ergonomie avec justement des photos produits en fond d'écran, donc sur mannequin, etc. Donc ça, c'était vraiment très très bien fait. Avec une navigation de fiche à fiche, on ne voit pas très bien, mais il y a un bouton précédent et suivant en haut. Et puis une fiche quand même produit relativement simple, relativement lisible. Remarquez comme les typos sont grandes, comme le prix est clairement affiché. Les éléments de choix sont plutôt simples et le bouton ajouter au panier ressort bien de la page. On a quelques éléments de liens sociaux également et la disponibilité qui est bien affichée. Donc ça, c'est un bon exemple que vous pouvez aussi aller voir. Pour moi, ça fait partie des meilleurs sites e-commerce qui sont sortis depuis 1 ou 2 ans. Donc c'est jules.fr. C'est une de mes concurrentes qui l'a fait en plus. Donc, Alors sur le panier, il y a énormément de choses à dire également. Sachant que le panier, c'est une page qu'on atteint quand évidemment on a mis des produits au panier. Donc, les gens qui ont des produits au panier, soit ils se servent du panier comme liste de mémorisation, soit ils s'en servent effectivement pour faire un total et puis pour se décider à acheter. Donc, le rôle de la page panier, ça va vraiment être de pousser les gens vers la caisse. Donc, il faut vraiment qu'à partir du moment où ils arrivent sur cette page-là, alors soit ils repartent pour mettre d'autres produits au panier, ce qu'on aime bien, soit vraiment qu'il y ait des clics qui cliquent sur le bouton « Je commande » et qui passent la commande. Et ça, c'est pas évident. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire sur un panier. Pour essayer de les pousser vers le tunnel de conversion. Par exemple, faire penser que la commande doit aller vite et va être facile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut afficher les étapes de commande. Vous voyez que sur Kiabi, là c'est le site Kiabi, vous avez simplement 3 étapes. Alors peut-être qu'il y en a 10 derrière, c'est pas grave, mais vous donnez l'impression aux gens que ça va être facile. Il y a 3 étapes, à mon avis il y en a plus que ça, mais au moins vous indiquez aux gens combien de temps ils vont passer. Alors c'est un problème qui est particulièrement important sur les sites d'assurance ou les sites bancaires ou les sites qui vendent des produits un peu compliqués où on demande parfois plus d'informations que simplement sur des produits vestimentaires. Et donc là, il est vraiment important d'annoncer le temps que les gens vont devoir passer sur le tunnel de commande. Parce que si ça dure 10 minutes et qu'eux pensent qu'il n'y en avait que pour 5 minutes, ils vont partir. Effectivement, on doit rappeler qu'il vaut mieux toujours acheter maintenant que plus tard parce que ça c'est une règle du commerce basique. Il faut ici remettre tous les éléments de rassurance, donc sur la commande, sur la livraison, sur le paiement, etc. Et puis, il n'est pas interdit non plus de faire un peu de marketing additionnel dans les pages panier, ce que fait beaucoup Kiabi. Alors là, j'ai peut-être pas pris le bon exemple. Voilà, par exemple, on annonce ici en plein milieu du panier qu'il ne reste plus que 2 euros d'achat pour avoir la livraison gratuite en point relais. Bon, ça, c'est un bon incentive, sachant que les produits sur Kiabi, c'est des produits qui ne sont pas chers. En général, donc on en trouve beaucoup à 5 ou 6 euros. Donc le mouvement va être facile à faire pour l'utilisatrice. Elle va prendre un t-shirt à 5 euros et elle fera les 5 euros d'économie sur sa livraison. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Voilà, donc sur le panier, en fait, l'intérêt, c'est vraiment surtout de les faire passer sur la suite du tunnel de commande et puis essayer de faire un peu de vente additionnelle. Voilà.
Bon, y a plein de best practices aussi, mais on ne va pas tous les revoir. Et puis, l'endroit le plus stratégique du site, le tunnel de commande, et c'est celui qui pose en général le plus de problèmes aux internautes, et notamment la création de compte. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est bien caché par mon gros panneau vert, du tunnel de conversion de Morgane, sur lequel on a travaillé pas mal. Alors, quelques règles rapidement, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut arriver à faire que les gens passent cette étape-là, parce que c'est la plus compliquée pour eux. Quand on fait des tests utilisateurs, on a beaucoup de gens, quand ils arrivent sur une page de création de compte, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils soufflent. Ils font pfff, parce qu'ils voient tous ces champs et ils disent c'est pas possible qu'il y ait tout ça à remplir. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que là où autrefois c'était le caissier qui prenait les commandes, ça allait très vite parce que toute la journée il faisait que ça, ou même si c'est un opérateur de saisie qui travaille dans la VAD, il allait très vite puisqu'il faisait que ça. Quand c'est un internaute, il ne le fait qu'une fois par mois ou une fois par semaine, ou même moins que ça. Donc quand il voit un formulaire comme ça, il a peur. Et c'est normal, il n'a pas envie de le faire. Surtout pour les gens qui ne sont pas tellement habitués à l'informatique. Donc il faut faire que, ce formulaire n'ait pas l'air trop long. Donc évitez quand même de demander trop d'informations dans ce formulaire-là. Je parle d'informations inutiles. Vous avez le droit de demander si la personne a des enfants et quel âge ont les enfants. Ce n'est pas interdit, mais vous ne récolterez pas forcément ces informations-là. Vous pouvez faire un peu de marketing, mais évitez d'en faire trop parce que ça peut être décourageant. Ensuite, il faut savoir vraiment guider les gens, et ça c'est important. Alors, les erreurs qu'on retrouve les plus souvent sur les tunnels de commande sont vraiment toujours les mêmes d'un site à l'autre. On prend un bel article là-dessus un jour sur Capitaine Commerce. Les gens se trompent toujours sur le numéro de téléphone. Vous pouvez être sûr qu'ils se trompent. Ils mettent 9 chiffres ou 11, ou ils mettent n'importe quoi. Là, il faut absolument qu'il y ait une correction en temps réel du numéro de téléphone, donc il leur indique combien de chiffres il faut mettre, et qu'ils mettent une petite coche verte si le numéro de téléphone est bon ou une croix rouge s'il n'est pas bon. Ça, c'est une première règle. Donc, c'est ce qu'on appelle les contrôles en temps réel. Autre source d'erreur typique, les mots de passe. Alors, les mots de passe, les gens ne les voient pas, ils sont toujours cachés. Et puis par habitude, les gens vont mettre 4 lettres, Bibi, Bubu, Bobo ou leur date de naissance, ce qui n'est pas un mot de passe sécurisé. Et puis surtout, ils vont toujours se tromper. Donc là aussi, il faut vraiment les guider, leur faire ressaisir le mot de passe et puis afficher si les deux mots de passe sont identiques. Ça, c'est vraiment important. Après, avoir des tailles de champs agrandies. Au lieu d'avoir des tout petits champs rikiki, ça c'est vraiment décourageant. Faites des gros champs, comme pour les enfants. Ça a l'air beaucoup plus facile à remplir. Demandez pas trop d'informations. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore ? Affichez clairement le nombre d'étapes. Corrigez les erreurs de saisie sans que l'internaute ait à s'interroger. Alors, une erreur typique des formulaires de création de compte, c'est les messages d'erreur. Vous remplissez votre formulaire, vous validez, et on vous dit qu'il y a une erreur, mais on vous dit pas laquelle. On vous dit qu'il y a une erreur dans le formulaire. Ça, c'est vraiment dramatique, parce que la personne va chercher ensuite, pendant 5 minutes, quelle est l'erreur qu'elle a commise. Sans compter que parfois, c'est le système lui-même qui a fait l'erreur. Donc il faut vraiment être très précis et clair sur les messages d'erreur. Voilà, donc ça, c'était Morgane. Mais je peux vous dire que c'est vraiment à cet endroit-là qu'en général, on perd le plus d'internautes. Alors justement, encore une vidéo. Alors c'est, je vous en montrer deux, d'ailleurs, si j'arrive à les trouver. Voilà. Une première vidéo, en fait, d'une dame qui vient de modifier. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un peu la complexité des formulaires de création de compte. Donc ça, c'est une dame qui vient de modifier ses informations de livraison, parce qu'on lui avait demandé pendant sa tâche, pendant le test qu'elle faisait, de modifier son adresse de livraison. Et vous allez voir qu'ici, elle va pas du tout y arriver. En tout cas, elle va y arriver avec difficulté. C'est pas ça. Voilà. Alors là, c'est dommage qu'on n'ait pas vu le début. Je vais essayer de vous la remettre au début. Voilà. Donc elle vient de valider son formulaire. Elle redescend en bas. Donc elle vient de modifier ses infos. Elle redescend en bas normalement pour valider son formulaire parce que c'est là qu'elle s'attend à trouver son bouton, mais elle ne le trouve pas. Et là, elle cherche comment elle fait pour sortir de cette page-là. Donc pour sortir de cette page, c'est le lien noir qu'elle vient de lire. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a lu ce qu'il y avait écrit sur le lien noir. Il y a écrit « Vous pouvez poursuivre la validation de votre commande en passant à l'étape suivante ». Mais ça, évidemment, on retrouve cette notion d'affordance. Ce n'est pas du tout affordant. Un lien comme ça, ça ne vous indique pas qu'il faut cliquer dessus. Là, on s'attend plutôt à trouver un bouton. Donc, elle va vraiment chercher pendant longtemps avant de trouver. Et elle finit par trouver. Et vous voyez qu'elle a déjà perdu, je ne sais plus quel est le temps de la vidéo, mais 30 ou 40 secondes. Donc, si vous avez ça plusieurs fois de suite dans le tunnel de commande, évidemment, vous perdez l'attention de la personne ou alors elle s'énerve. Donc ça, c'était une première vidéo pour vous montrer à quel point c'était stratégique, ces formulaires. Et il y en a une autre aussi qui est assez intéressante. Alors, c'est ce que je vais vous montrer, c'est plus rare. C'est ce qu'on appelle un guest plot. En fait, c'est juste une vidéo de parcours oculaire de deux personnes en même temps. Alors, on n'a pas fait le test en même temps, on a juste collé, superposé les deux vidéos. Et vous allez voir le regard de ces personnes
circuler sur la page d'un formulaire en une page de commande, et vous allez voir qu'elles ne suivent pas du tout le même parcours. Parce que le formulaire, justement, n'est pas suffisamment bien fait. Alors, c'est très, très... Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il y a une personne en vert, une personne en jaune. On a raté le début. Je vais vous remettre au début parce que c'est... Ah, c'est pas bien fait. Normalement, elles partent du même endroit. Et vous allez voir qu'en fait, elles ne suivent pas du tout le même chemin. Regardez la personne verte, regardez la personne jaune, ce qu'elle fait. Sur la même page. Alors, vous avez le trait gris. Le trait gris, c'est la ligne de flottaison, en fait. C'est ce qu'elle ne voit pas. Donc, toute la partie qui est en dessous de la ligne grise, les gens ne le voient pas. Et voilà. Bon, c'était assez court, mais c'est pour vous montrer que les gens n'ont pas forcément le même parcours, ne regardent pas une page de la même façon. Et ça, ce n'est pas parce que les gens sont différents, mais c'est parce que ce formulaire-là est mal fait. Il ne guide pas assez, en fait, l'internaute. Et du coup, vous avez des gens qui remplissent des formulaires pas en entier, qui oublient de valider sur des boutons, etc., qui manquent de remplir des champs, etc. Donc, vous voyez comme quoi ce tunnel de commande, le principal inconvénient qu'on peut avoir dedans, c'est vraiment ces formulaires. Voilà, donc ça on avait vu. Et ben on va passer au sujet final de ma conférence. Donc si je vous ai montré tout ça avant, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu que l'ergonomie, ce n'est pas vraiment une question ni de bon sens, ni de savoir-faire, mais bien une question d'observation de beaucoup de caractères. Donc des gens, de la marque, des produits, etc. Et donc il n'y avait pas qu'une seule ergonomie et qu'un site ne pouvait pas être ergonomique en soi. Ça n'existe pas. C'est vraiment un site qui est ergonomique par rapport à ses utilisateurs dans un contexte donné. Quand on sait ça, on sait déjà pas mal de choses. Après, comment on fait pour améliorer justement l'ergonomie d'un site et faire que, en plus, on l'améliore en mesurant la performance de ce site-là. Parce que c'est important de mesurer les sous qu'on gagne quand on est commerçant. Si on fait tout au pif, au bout d'un moment, on ne sait pas trop ce qu'on fait et on ne sait pas si on gagne vraiment de l'argent. La première règle, et c'est vraiment la plus importante, c'est que quand on veut optimiser un site, il faut le mesurer, mesurer et analyser. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe dessus. Parce que si vous ne le faites pas, vous travaillerez à l'aveugle. C'est un peu normal, non ? Je pense que tout le monde fait ça, sauf que quand on travaille avec nos clients, on s'aperçoit que la plupart du temps, ils ne mesurent pas ce qui se passe sur leur site, ou ils ne mesurent pas les bons indicateurs. Donc mesurer, ça veut dire plusieurs choses, mesurer et analyser. La première chose, et c'est principal pour démarrer, c'est vraiment de s'intéresser au Web Analytics. Donc tout le monde a forcément un Google Analytics posé sur son site, parce que c'est gratuit, et que c'est assez puissant comme outil. Après, une fois qu'on a son Google Analytics, c'est pas suffisant. Il faut aussi savoir en extraire les données. Alors, tout le monde sait faire le nombre de visiteurs uniques, ça c'est très bien. Tout le monde sait faire éventuellement son chiffre d'affaires, ou tout le monde sait faire son nombre de pages vues, mais ça, c'est pas des indicateurs qui sont très intéressants pour nous. Nous, on va s'intéresser à des choses qui sont beaucoup plus concrètes et sur lesquelles on va vraiment pouvoir travailler. Je vous en ai mis quelques-unes, il y en a sûrement d'autres. Un des indicateurs les plus importants, c'est le taux de rebond du site. Donc, savoir quel est le nombre de gens qui voient une page de votre site et repartent immédiatement. Si vous avez un taux de rebond qui est élevé sur certaines pages de votre site, ça veut dire que vous avez soit un problème de trafic, c'est-à-dire que vous faites une mauvaise qualification de votre trafic en amont, donc vous n'utilisez pas les bonnes campagnes d'affiliation, vous ne faites pas les bonnes campagnes d'AdWords, donc ça, ce n'est pas un problème d'ergonomie. Et si vous faites ça bien, c'est que vous avez peut-être un problème d'ergonomie, ça veut dire que vos landing pages ne sont pas optimisées, elles ne correspondent pas aux offres que vous proposez en amont. Ou alors elles sont mal faites, et elles ne sont pas lisibles, elles sont de la mauvaise couleur, etc. Donc le taux de rebond, c'est un indicateur assez intéressant. Ce qu'on peut mesurer après, bon évidemment les conversions dans le tunnel de commande, c'est surtout le taux de rebond entre les pages du tunnel de commande. Alors si vous n'avez qu'une page, il n'y aura pas de taux de rebond, mais si vous avez plusieurs pages, comme c'est le cas dans la plupart des sites, mesurez ce qui se passe entre les pages du tunnel de commande. Vous vous apercevrez souvent que, comme je viens de vous le montrer, sur la page de création de compte, vous avez beaucoup d'abandons de panier. Donc mesurez ces taux-là. Sachez qu'en moyenne, c'est qu'une moyenne, hein, le taux de transformation dans un tunnel de commande, c'est-à-dire du panier jusqu'à la confirmation de commande, est de 30%, entre 30 et 40%. Si vous êtes en dessous de ça, c'est pas très bon. Si vous êtes au-dessus de ça, tant mieux pour vous. Vous n'avez pas de travail à faire dans le tunnel de commande. Ça, c'est un des indicateurs. Ce que vous pouvez aussi mesurer, qu'on commence à faire de plus en plus, c'est l'engagement des visiteurs. Un des problèmes qu'on a pour mesurer la performance des sites, c'est de comprendre exactement justement quel est son niveau de performance. Et pour ça, souvent, on se base sur ce qu'on appelle le taux de transformation, donc le nombre de transactions sur le nombre de visites ou de visiteurs uniques. Seulement, cet indicateur, il a un problème, c'est qu'il est très dépendant de tout un tas de facteurs externes, la saisonnalité, la provenance des visiteurs, etc. Et donc, il n'est pas forcément très intéressant en soi. Par contre, il peut être très intéressant de le segmenter par rapport à l'engagement des visiteurs. L'engagement des visiteurs, en fait, c'est quoi ?
c'est la manière dont les gens vont, sont engagés par rapport à votre site, à leur acte d'achat. Quand les gens viennent voir qu'une page du site et s'en vont, c'est qu'ils ne sont pas du tout engagés. Soit l'offre ne les intéresse pas, soit ils sont trompés. Bon, voilà. Donc là, ça, c'est des gens pas engagés. Après, on peut avoir des gens qui viennent voir une ou deux pages produits, qui sont restés 2 minutes sur le site. On sait qu'ils ont été intéressés par l'offre, mais qu'ils n'ont peut-être pas trouvé ce qu'ils voulaient, ou alors que ce n'était pas le moment pour eux d'acheter. En tout cas, vous avez déjà un niveau d'engagement supérieur. Après, vous allez avoir des gens qui vont ajouter des produits au panier. Ça veut dire que c'est des gens qui ont trouvé ce qu'ils cherchaient, qui sont déjà dans une optique d'achat, mais qui ne sont pas allés plus loin, pour une raison qu'on ne connaît pas, mais qu'on va essayer d'analyser. Et puis ensuite, vous allez avoir des gens qui sont encore plus engagés, qui auront mis un ou deux produits ou plusieurs au panier, qui vont aller dans le tunnel de commande et qui vont abandonner. Donc là, on a des gens qui sont très engagés. Et quand on segmente par niveau d'engagement comme ça, on peut travailler sur chaque partie du site et essayer d'améliorer le pourcentage de rebond entre chaque niveau d'engagement. Et donc vraiment travailler l'ergonomie de son site. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a tout un tas d'autres critères que vous pouvez définir. C'est en fonction de votre marque, de vos produits, de ce que vous vendez, de votre trafic. Mais ces quelques indicateurs-là, ça peut déjà être pas mal pour avancer et comprendre ce qui se passe. L'idée, quand vous utilisez les web analytics, c'est pour voir de façon macro quels sont les points de blocage ou les points de fuite dans votre site. Par exemple, encore une fois, la page création de compte ou les landing pages. En plus de ça, et ça c'est un peu le cœur de métier, je dirais, il y a les tests utilisateurs. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure, les vidéos. On fait venir des gens dans un studio, on leur demande d'accomplir certaines tâches sur un site et on les enregistre. Et à partir de là, on est capable de savoir s'il y a des choses qu'ils arrivent à faire ou pas à faire. Quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, on doit se dire qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc là, je vous montre notre studio à Roubaix avec un dispositif qui est assez classique. Vous avez à gauche donc le studio de test avec la personne qui teste, qui est devant un écran d'ordinateur. Donc ici, c'est un écran de eye tracking, c'est ce qui permet d'enregistrer le regard des gens. On enregistre également la voix, on filme le visage et on enregistre tout ce qui est navigation. Et à partir de là, on est capable de savoir ce qui se passe en bien ou en mal sur le site. Le facilitateur, c'est un ergonome qui est simplement là pour aider la personne à naviguer. En fait, pour éviter qu'elle sorte du site ou qu'elle aille, je sais pas, faire autre chose que de tester. Et puis, ça arrive hein, des fois. Et puis, vous avez à droite une salle d'observation. C'est pas obligatoire, mais nous, on le fait tout le temps avec nos clients. En fait, on les fait venir et ils voient en temps réel sur le petit écran de télé qu'elle avait, en fait, qui est très grand d'ailleurs, ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, ça leur permet de prendre des notes en même temps qu'on fait les tests. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment très enrichissante parce que ça permet vraiment de comprendre comment les internautes surfent sur votre site. Là, on a une équipe de développement, c'était une équipe de béquets. Je peux vous dire qu'ils ont bien rigolé ce jour-là parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait plein de choses qu'ils avaient conçues qui ne fonctionnaient pas du tout. Donc ça, c'est un dispositif typique. Après, une fois qu'on a ces enregistrements, on les dissèque. On fait 1 heure en général par testeur, donc 2 heures d'analyse derrière. Et ça permet de découvrir au moins 60 à 80, voire 100 défauts sur un site. Donc c'est extrêmement riche et ça permet de compléter justement les web analytics. Autre méthode d'analyse, l'inspection ergonomique, ça c'est beaucoup plus classique, tout le monde connaît. Donc là c'est un ergonome qui inspecte les pages une à une et puis qui, en fonction de son expérience, des best practices qu'il connaît, analyse la page, donc décèle un défaut. Alors ici, absence de sous-catégorie sur IE8, donc ça peut être un bug hein, tout à fait. Et puis qui fait une recommandation pour dire comment on fait pour améliorer cette page. Là c'est le site Jimmy Fairly qui vend des lunettes. Donc on peut mélanger tout ça pour avoir une vue vraiment objective, plus ou moins objective du site et savoir vers quoi on doit aller pour l'optimiser. Alors justement, la deuxième question qui se pose après ça, c'est évidemment, quand on a récolté beaucoup de défauts sur un site, quand on sait qu'on a plein de choses à améliorer, par quoi on commence? Et c'est pas évident de savoir par quoi on commence. Alors, quand vous êtes une toute petite équipe, c'est simple, vous le donnez à votre développeur et puis il se débrouille. Et en général, ça va très vite. Mais quand vous travaillez avec des grosses sociétés, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et vous savez très bien que dans une grosse société, en général, les choses ne se font pas simplement. Il faut parfois des mois pour changer la couleur d'un bouton. Alors, il y a une première chose qu'il faut bien comprendre, c'est celle-là, et elle est vraiment importante. C'est que plus on est proche de la page de la confirmation de commande, plus le ROI est grand. C'est-à-dire que plus on optimise du côté du tunnel de commande, plus on rentabilise son optimisation. C'est sûr, parce que quand vous améliorez un formulaire dans votre tunnel de commande où vous aviez un taux d'abandon de 80%, vous améliorez ce taux d'abandon, je ne sais pas, de 20%, ça va peut-être vous générer du chiffre d'affaires tout de suite, beaucoup plus vite. Parce que vous touchez des gens qui étaient déjà prêts à acheter, mais qui sont arrêtés pour un problème d'ergonomie, ou un problème de rassurance. En tout cas. Donc ensuite, vous avez le panier, la descente produit et les landing pages. Ça veut dire qu'en général, quand on optimise un site, on a tendance plutôt à commencer par un tunnel de commande et à remonter le site jusqu'à sa périphérie, donc la page d'accueil et les landing pages. Donc une fois que vous savez ça, déjà, vous avez une piste pour commencer à optimiser. Et puis après,
ce qu'on fait. Quand on a des défauts, en général, on leur attribue une note de sévérité, donc 1, 2, 3 ou 4. Donc ça, c'est un petit peu subjectif, à la fois un petit peu objectif. C'est l'ergonome qui donne ses notes. Quand vous avez 4 petits carrés rouges, c'est pas bien. Hein, c'est bloquant, ça veut dire que les gens n'arrivent pas à faire un truc. Quand vous en avez qu'un, c'est peut-être pas grave du tout, mais c'est important quand même. Et puis après, vous recroisez ça avec le parcours de l'utilisateur, des pages d'entrée jusqu'au tunnel de commande. Et ce que vous avez en haut, à droite, dans le rouge, c'est ce que vous devez corriger en priorité. Donc là, quand vous avez ça, vous savez déjà beaucoup mieux où vous devez aller. Alors évidemment, la vie serait très belle si c'était que ça. Malheureusement, c'est plus compliqué. Alors je ne sais pas si je l'ai sur l'autre slide. Non, je l'ai bien. Il y a un autre problème qui vient se greffer à ça, c'est les temps de développement. Parce qu'évidemment, changer la couleur d'un bouton, ça prend 5 minutes, c'est facile. Mais parfois, ajouter une petite fonctionnalité comme une case à cocher, ça peut prendre plusieurs jours de développement. Donc, en fonction de ce qu'on a vu précédemment, et en fonction de ça, alors moi j'ai toujours mis 3 niveaux de développement, on peut en mettre d'autres si on veut. Ce que j'appelle les 3 niveaux de développement, il y a un qui est le tout venant, c'est vraiment toucher au CSS, au HTML, au JavaScript. C'est des choses qui sont assez faciles à faire, qui peuvent même être faites en interne par des équipes marketing. C'est ça qui est intéressant pour l'optimisation. Après, vous avez de la maintenance corrective, applicative. C'est des choses que doivent faire les développeurs, mais qui ne leur prend pas beaucoup de temps et qui font en général comme ça, de manière un peu courante. Ça, c'est déjà un peu plus impactant. Et puis après, vous avez un niveau beaucoup plus important, qui est ce que j'appelle le lourd, là où vous êtes carrément obligé de travailler sur les fondamentaux du système. Et c'est des choses qui ne vont pas rentrer en compte dans l'optimisation parce que ça prend beaucoup trop de temps. Bon, voilà. Mais une fois que vous savez tout ça, vous savez à peu près où vous devez aller. En tout cas, vous avez une idée plus précise. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de vous lancer dans des campagnes d'optimisation et de travailler comme ça, de manière progressive. Parce que le problème qu'on avait relevé depuis quelques années, c'était qu'on avait tendance à faire, ce que peut-être encore certaines sociétés font, à refondre entièrement son site. Vous savez, on a fait un site internet, ça a coûté 100 000 euros, et puis 2 ans plus tard, il y a un nouveau directeur qui arrive, et puis il dit, moi j'aime pas ce site, on va le refaire. Donc on reclaque 100 000 euros, on refait tout à zéro, et en fait on n'a rien optimisé, on a travaillé à l'aveugle. Ça, c'est pas la bonne méthode. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est la refonte partielle, donc on refait le tunnel de commande, on refait la page produit, etc. C'est plutôt pas mal. Mais nous, ce qu'on préconise de faire, en tout cas moi, ce que je fais, c'est vraiment l'optimisation progressive, où à chaque fois qu'on fait une modification sur le site, on améliore d'un tout petit peu le taux de conversion. Ce qui fait qu'on avance toujours dans la bonne direction, même si on ne va pas très vite, encore que ça va plutôt vite, on avance toujours dans la bonne direction et on augmente toujours son taux de transformation. Alors comment on fait ça? On fait ça comme ça, avec des tests AB et des tests multivariés. Donc, je suppose que tout le monde a entendu parler de ces notions-là, enfin de ces outils-là. Je vais expliquer peut-être rapidement ce que c'est. Comme ça, vous comprendrez bien. Tester, tout le monde comprend ce verbe-là. En fait, l'idée, c'est d'arriver à comparer 2 versions de page. Voilà. Vous prenez, par exemple, une page produit. Vous dites que celle que vous avez actuellement, elle marche plutôt pas mal, mais vous pensez qu'elle peut marcher mieux. Vous modifiez quelques éléments de cette page. Et puis, avec un outil de test AB, vous présentez ces 2 pages alternativement à vos visiteurs. Et en fonction d'un KPI que vous avez fixé, donc ce KPI, ça peut être tout simplement le taux de transformation, vous voyez quelle est la page qui performe le mieux. En français, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, qui transforme le mieux. Donc là, c'est pour un test AB. C'est relativement simple à comprendre, c'est relativement facile à faire. Et puis, on a ce qu'on appelle les tests multivariés, qui en fait procèdent de la même logique, sauf que sur un test multivarié, on ne fait pas varier, on ne fait pas des tests sur 2 pages différentes, on fait un test sur une page, mais on fait changer des zones de cette page-là. Si là, j'ai pris la page produit de 3 Suisses, par exemple. On peut se dire qu'on peut travailler sur la taille du prix, de l'affichage du prix et de la remise, par exemple. On peut travailler sur la couleur du bouton ajouté au panier. Et on peut travailler sur l'affichage ou pas des différents modes de livraison. Donc un test multivarié consiste en fait à faire afficher toutes les combinaisons possibles qui existent en faisant varier ces 3 zones. Je vous ai mis le nombre de combinaisons qu'on avait prévues par zone. Donc c'est 4, 4 et 2. Donc c'est 4 x 4, 16 x 2. Ça fait 32 combinaisons à tester. Et en fonction, encore une fois, du KPI que vous avez fixé, si c'est par exemple le taux d'ajout au panier, vous arrivez à déterminer quelle est la page qui performe le mieux et que vous allez garder ensuite sur votre site. Donc, je suppose que c'est suffisamment clair pour que je vous montre la suite. Alors, pour faire des tests AB ou multivariés, alors je vous dis tout de suite, en général, les multivariés, c'est quand même mieux que les tests AB. Les tests AB, on en fait un petit peu au début pour s'amuser, puis après, on passe aux multivariés. Je voulais vous parler de 2 outils, je vais surtout vous en parler d'un. Bon, il y en a un que tout le monde connaît, c'est Google Website Optimizer, parce qu'il est gratuit et que tout le monde peut l'utiliser facilement avec Google Analytics. Donc, c'est un outil qui permet de faire des tests AB, surtout des tests AB, parce qu'il n'est pas très pratique en réalité. Il faut intégrer beaucoup de tags, il n'y a pas d'éditeur visuel, il est assez complexe. Et puis, dès qu'on veut faire de la segmentation, des choses un peu compliquées, ce n'est pas possible. En tout cas, moi, je trouve que ce n'est pas le meilleur outil. Il y en a un autre que je trouve pas mal, c'est Visual Website Optimizer. Donc, il est un peu gratuit, mais surtout payant. Mais bon...
Il n'est pas très cher en tout cas. Il permet de mener des tests petits et grands, donc vous pouvez même l'utiliser sur des sites avec beaucoup de trafic. Il a un avantage, c'est qu'il est très simple à intégrer, il y a besoin de mettre juste un tag sur votre site pour l'utiliser. Il est assez puissant puisqu'il permet de faire la segmentation du trafic et les résultats sont plutôt bien présentés. Donc je vais juste vous le montrer un petit peu pour leur faire de la pub. Bon, c'est des Indiens, donc ils sont très contents d'apprendre qu'on fait de la pub en France. Alors voilà pour un test, quelques étapes de conception, on va voir ça. Bon, ça c'est l'éditeur visuel de Visual Website Optimizer. Alors en fait ce qui se passe c'est qu'on a déjà posé notre tag, donc un tag unique sur toutes les pages de notre site e-commerce. Et ensuite on a choisi une page qu'on voulait optimiser, donc là on la voit pas mais ça doit être la page produit d'un site qui s'appelle Tikamoon. Et on a édité une partie de cette page là, donc on a cliqué sur un morceau de cette page là et hop il y a un bout de code qui est apparu. Et là on peut modifier ce code, et une fois qu'on a modifié ce code, il y a une version qui se crée, donc vous voyez les différentes versions ici en bas à droite. Et elle est enregistrée directement dans la base de données de l'outil d'optimisation. Vous voyez que tout ça se fait en fait sans avoir recours justement aux équipes techniques du site ou aux développeurs du site. Vous pouvez le faire indépendamment en fait des process de production habituels. Donc ça c'est l'éditeur HTML qui permet de créer des versions différentes. Et puis après, vous avez un outil de paramétrage qui vous permet justement de créer ce test. Donc le paramétrage, ça concerne certaines choses. Donc le périmètre du test, c'est-à-dire quelle page on va tester. Alors avec Visual Optimizer, vous pouvez tester soit une page, soit une série de pages. Ça, c'est vachement intéressant. Par exemple, si vous voulez tester un tunnel de commande, vous pouvez tester toutes les pages du tunnel en changeant la couleur des boutons. Ça se fait assez simplement avec cet outil-là. Vous pouvez exclure des URL du test, bien sûr. Vous pouvez segmenter le test. Alors là, je ne l'ai pas mis, on aurait pu le voir, mais ici, c'est testé sur tous les visiteurs. Mais par exemple, vous pouvez dire, moi, je veux tester cette page-là uniquement sur les visiteurs qui viennent de chez Google. Ou simplement, je veux tester cette page-là uniquement sur les gens qui sont déjà venus plusieurs fois sur mon site. Donc, vous voyez qu'on peut faire des choses un petit peu plus complexes. Et puis, vous pouvez décider du nombre de visiteurs qui vont être inclus dans le test. Donc là, c'est 100%. Si vous avez peu de trafic, en général, ce sera plutôt 100%. Et si vous avez beaucoup de trafic, vous testerez peut-être que sur 10% de votre trafic pour ne pas prendre trop de risques. Donc, en dessous, ce qu'on vient de voir déjà, c'est les variantes. Donc ici, on a fait un test sur... on le verra après en détail, ce test-là. On a changé la couleur des boutons. Donc, il y a une version... de contrôle, la version de contrôle, c'est la version originale du test. On a un bouton vert, un bouton orange. Et après, on peut désactiver automatiquement les variations perdantes et puis activer la version gagnante pour tous les visiteurs. Et puis en 3, on a les objectifs de conversion. Donc là, les objectifs, alors c'est que du code, c'est pas très clair, mais sont les différentes pages du tunnel de commande. Et notamment, on a cde3.php tout en bas, qui est en fait la page de. Non, cde4.php, qui est tout en haut, avec marqué Primary Goal, qui est la page de conversion. Donc ça, c'est ce qui va nous indiquer le taux de transformation du site. Donc on va mesurer tout ce qui se passe sur ces pages-là et savoir quelle est la version qui transforme le mieux de toutes les versions qu'on a prévues sur les différentes variantes. Et voilà comment apparaissent les résultats dans l'outil. Donc je vous passe le tableau en haut. Alors c'est encore un autre test, celui-là. Vous voyez que c'est un test qui avait été mené sur 47 000 visiteurs, donc c'est déjà un gros site. Et on s'est aperçu que la version de contrôle, donc la version par défaut du site, a été battu par la combinaison 2 et la combinaison 3. Donc c'est le taux de transformation sur la page de confirmation. Vous voyez qu'on avait 0,75 sur la version de contrôle et 0,99 sur la version 2 et 0,88 sur la version 3. Les versions qui sont grisées et barrées, c'est des versions qu'on a désactivées en cours de test parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Donc on a dit, celles-là, on ne va pas les tester. Et les barres de progression vertes que vous voyez, c'est en fait la différence entre les versions de contrôle et les versions qu'on a testées. Et donc là, alors je ne vous dis pas ce que c'était que ce test-là, mais on s'est aperçu que toutes les versions de test étaient meilleures que les versions de contrôle. Comme quoi, il y avait un vrai problème d'ergonomie sur ce site-là. Et donc, vous voyez que d'une page à l'autre, alors c'est pas dans l'ordre, mais d'une page à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes taux de transformation. Et puis, les petites coupes, là, dorées, je ne sais pas si vous voyez que c'est des coupes, bah, c'est quand le système décide qu'une version est gagnante. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Comment se passer un test plus en détail? Ici, voilà les courbes en fait, de progression des taux de transfo des différentes versions. Alors ce que vous voyez en fait a été réalisé sur une durée de 1 mois et demi, je crois. Il n'y a pas toutes les combinaisons, il y en a juste 4 qui sont affichées. Mais ce que vous voyez, c'est que les premiers jours, vous avez énormément de variations, parce que le test n'est pas encore stabilisé, on n'a pas encore assez de données pour pouvoir évoquer un résultat. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'il reste. Alors on a désactivé la version violette et la version grise, comme vous pouvez voir. Et après on s'aperçoit que la version marron, là, tout en bout à droite, est bien meilleure que la version de contrôle. Et c'est celle-là qu'on a gardée au final. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire aussi qu'un test peut se conduire sur une durée, alors ici, de 1 mois et demi, mais en général, sur des sites un peu plus gros, c'est 2 semaines. Moins de 2 semaines, c'est un peu risqué parce qu'on commence à ne pas avoir assez de données. Enfin, ce serait un peu s'emballer. Voilà.
Rapidement, parce que j'ai pas terminé ma slide, mais parce que surtout il y a beaucoup, je dirais beaucoup trop de choses à dire. Mais on peut tester énormément de choses sur les sites e-commerce sans avoir à toucher au code. Donc on a la couleur et la forme des boutons, le wording, la taille des champs, la taille des images, des caractères, etc. Tout ce qui concerne le CSS et le HTML, vous pouvez y toucher. Après, une fois que vous avez touché à ça, vous pouvez travailler sur des choses un peu plus complexes. L'organisation de la page, les visuels, un peu de fonctionnel. Et évidemment les textes, si vous pouvez changer les textes, c'est important. Et tout ce qui est rassurance. Et vous verrez qu'on ne touche pas non plus aux mêmes critères en fonction de l'endroit où on se trouve du site. Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'impact n'est pas le même, mais sur le tunnel, vous allez plutôt travailler la rassurance, l'ergonomie des formulaires. Sur le panier, vous allez plutôt travailler l'incitation à l'achat, le push de promotion. Sur la fiche produit, l'information, la clarté, l'incitation ajoutée au panier, puis la séduction surtout. Et sur les rayons, la trouvabilité, capacité à séduire, etc. Enfin, vous voyez, on ne travaille pas forcément sur les mêmes critères d'une page à l'autre. Voilà, et puis donc dans les KPI, ben, je crois que vous en avez déjà parlé, mais sur le tunnel, on mesure surtout les taux de rebond entre les pages. Donc ça, c'est pour chaque test, hein, c'est des choses qu'on peut mesurer. On va mesurer le taux de transformation dans le tunnel, et évidemment la valeur du panier moyen, parce que parfois on peut avoir un taux de transformation qui est dithyrambique, mais avec une valeur de panier moyen qui est très très faible, donc c'est pas intéressant. Sur le panier, on va mesurer le taux d'entrée dans le tunnel de commande, le taux de transformation global du site, et puis la valeur du panier moyen, qu'on essaiera d'améliorer. Et puis sur la page produit et rayon, ben, la valeur moyenne du panier, taux d'ajout au produit, nombre de fiches produits, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire quand on part de zéro avec un site e-commerce. Alors justement, je voulais vous montrer un exemple, parce que ça c'est un test qu'on a réalisé cet été avec Tikamoun, qui est un marchand de meubles en bois massif et qui est basé dans le nord de la France. Alors ça c'est la fiche produit. Alors il y a quelques particularités intéressantes sur Tikamoun, c'est que d'abord il fabrique lui-même ses produits, donc ce qui est plutôt bien pour un e-commerçant parce qu'il fait plus de marge. L'autre particularité, c'est que c'est des produits qui sont assez chers pour Internet. Donc c'est un panier moyen qui tourne autour de 500 euros. Donc évidemment, on ne dépense pas 500 euros comme on dépense 100 euros sur le web. Et en général, c'est un panier à un seul produit. On n'achète qu'un meuble à la fois. C'est rare d'acheter une table, une chaise. Enfin, en général, on se contente par exemple de ça, d'un range-bouteille. Le problème, donc, c'était d'arriver à faire mettre plus de produits dans le panier. Parce qu'on a noté qu'on avait un taux d'abandon assez fort à ce niveau-là. On ne savait pas trop pourquoi. On a analysé la fiche produit et on s'est aperçu au moins de deux choses, parce qu'il y en avait plein. Un, c'est que les frais de port n'étaient pas bien indiqués. Vous voyez, ils sont tout à fait en bas, là, plus 34,90 €. Hein, ils sont assez chers, ces frais de port, c'est du meuble, c'est normal. Mais si vous les cachez maintenant, enfin, en tout cas, si vous les mettez là, il vaut mieux pas les cacher, il vaut mieux que les gens les voient pour être bien informés de ce qu'ils vont payer en plus. Parce que quand vous êtes à 199 € plus 34 € de frais de port, bah, ça fait cher de frais de port. Et puis, deuxième chose, le bouton ajouté au panier. Il y a une spécificité sur ce site-là, c'est que tous les produits ne sont pas forcément disponibles. C'est des produits qui sont fabriqués en temps réel. Et ils sont quand même affichés dans le site. Et notamment, quand ils sont hors stock, les produits, vous avez exactement le même bouton, sauf que c'est un bouton « Demander un devis » et qui ne vous renvoie pas sur le tunnel de commande, mais qui vous renvoie sur un formulaire de demande de devis. C'était aussi un bouton rouge. Et donc là, on s'est dit qu'il y avait un truc qui clochait, parce que si c'est la même couleur, les gens risquaient de confondre les deux boutons, finalement. Et c'est pour ça qu'on a voulu tester la couleur du bouton, en se disant, si on peut différencier les deux, ce sera peut-être mieux. Et puis si on peut afficher un petit peu mieux les frais de port, ce sera un peu mieux aussi, parce que du coup, on dira tout de suite aux gens bah, ce qu'ils auront vraiment à payer au final dans la commande, et pas les surprendre après. Donc, on a testé 6 variations différentes, 6 exemples, donc 6 combinaisons. Un bouton vert, un bouton orange et un bouton rouge, qui est la version de contrôle. Et puis les frais de port, on les a testés soit en rouge, soit en noir. Alors, je vous dis tout de suite, on s'est planté sur les frais de port parce que ce n'était pas une très bonne idée de changer la couleur et de les mettre en rouge. Par contre, sur la couleur des boutons, ça a été assez bénéfique. Et on a obtenu des résultats plutôt intéressants avec le bouton vert et le bouton orange. Donc, en fait, les deux versions étaient meilleures que le bouton de contrôle qui était rouge. Donc, on a changé en fait que le bouton ajouté au panier, hein, pas le bouton changer, enfin, faire une demande de devis. Donc, les données que vous avez là, elles ne sont pas tout à fait stabilisées. Hein, elles sont assez impressionnantes, mais on avait plus 56% de taux de transformation, je parle bien du taux de transformation sur le site, avec le bouton vert, et plus 34% avec le bouton orange. Donc on s'est dit, super, c'est comme sur les feux rouges, hein, quand c'est vert, bah, ça marche mieux. Sauf que, en fait, c'était pas tout à fait ça. En tout cas, on avait deux versions gagnantes, et on a creusé un peu plus loin. Oups. On a croisé les données du test avec Google Analytics, et en fait, on s'est aperçu que c'était le bouton orange qui générait le plus de chiffre d'affaires. Donc, on a décidé que le bouton orange, on le garderait plutôt que le bouton vert. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé à un moment donné. Enfin, c'était début septembre, je crois. Et on a creusé encore un peu plus. Et après, on s'est rendu compte d'un autre truc. C'est qu'avec le bouton vert, les gens faisaient beaucoup plus de demandes de devis qu'avant.
parce qu'il faisait mieux la différence entre le bouton demande de devis et le bouton ajouter au panier. Donc du coup, on a fini par préconiser à Tikamoun de mettre le bouton vert, qui générait à la fois plus de, qui avait un meilleur taux de transformation et qui générait à la fois plus de demandes de devis. Donc vous voyez, comme quoi c'est plutôt simple à réaliser. Changer la couleur d'un bouton, je crois qu'à peu près tout le monde sait faire avec Photoshop. Par contre, analyser ce qui se passe vraiment sur le site, c'est plus compliqué. Il faut vraiment creuser les données et pas se tromper. Voilà. Alors ce que j'ai simplement vous dire pour terminer, c'est que si vous voulez optimiser un site, alors il y a peut-être un point que j'ai oublié mais qui est important, c'est qu'il faut quand même un certain volume de trafic. C'est vrai que si vous avez 10 000 visiteurs par mois, ça va être difficile. Et de toute façon, ça vous perdriez peut-être un petit peu votre temps. En tout cas, si vous avez un site avec suffisamment de volumétrie, une des choses qui me semble la plus importante déjà, c'est de bien connaître les bases de l'ergonomie. Alors ça ne veut pas dire passer des mois à lire des blogs sur l'ergonomie et puis à passer un diplôme à la fac, ça veut simplement dire parfois, ou au moins une fois, lire un bouquin comme celui d'Amélie Boucher, l'ergonomie web, qui est très bien fait, très simple, et que vous pouvez lire en 3-4 soirs, et qui vous donnera toutes les bases essentielles de l'ergonomie. Ça vous permettra d'arrêter de fonctionner au doigt levé, au doigt mouillé, pardon. Se fier à l'observation plutôt qu'à son bon sens. Je crois que le bon sens en ergonomie, c'est extrêmement trompeur. Il faut vraiment voir ce que font les gens. Tester, tester. Et ça, c'est aussi une de mes recommandations. Tester le plus possible. Même si ça peut coûter cher, les tests utilisateurs, on peut quand même arriver à en faire facilement sans tout le matériel que je vous ai montré. Parfois en demandant à son voisin, à sa maman ou à son papa. Ça peut être très utile. Et puis, une règle aussi qui est vraiment importante, c'est l'optimisation progressive, c'est-à-dire pas vouloir tout changer d'un coup, mais travailler par petites touches. C'est beaucoup plus efficace, c'est peut-être un peu plus long, mais au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà, j'en ai donc terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Alors une question de Twitter de Rue du Commerce qui demande, après avoir fait toutes ces appliqué toutes ces bonnes pratiques, quel taux de conversion, quelle amélioration dans le taux de conversion on peut espérer? Alors c'est assez ça dépend en fait du niveau d'utilisabilité du site. Un site qui est déjà très bien fait, comme un site comme 3 Suisses, hein, parce qu'il est plutôt bien fait, le taux d'optimisation, enfin l'amélioration du taux de conversion ne va pas être énorme. Mais par contre, c'est vrai que comme c'est un site qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, ça va être intéressant quand même en termes de chiffre d'affaires. Mais globalement, quand on parle d'un site qui est pas forcément, qui n'a jamais été optimisé, on peut espérer des taux de 10% sur un taux de transformation. Donc augmenter son chiffre d'affaires de 1 fois 1. Alors pas en 5 minutes, hein, il faut quand même un certain temps de travail, mais en un an, c'est tout à fait possible si on fait une optimisation progressive de son site. Combien coûte et quelles sont les conditions d'utilisation de studio en fait sur, qu'on a vu sur du quelques logiciel images? Non, de l'espace avec le testeur, le facilitateur et l'analyse derrière en fait. Avec alors, sur un test utilisateur, il faut compter, alors c'est nos tarifs, hein, mais c'est à peu près les tarifs du marché, mais sur un test utilisateur en général c'est 1000 euros par testeur. Donc ça, c'est plutôt des prestations qui s'adressent à des grands comptes. Après, on a d'autres méthodes de travail qui permettent d'alléger un peu la note. Il faut compter un budget de 10 000 euros. Mais après, un test utilisateur peut descendre beaucoup plus bas et après, on peut aussi faire des audits qui sont plus légers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prix des prestations, en général, en rapport avec l'intérêt de ce que ça peut dégager derrière. Donc c'est vrai que c'est pour ça que nous, en général, on travaille plutôt avec des grands comptes parce qu'on sait qu'un site en dessous de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas tellement utile. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de l'ergonomie en dessous de 1 million. Il faut être plutôt carré là-dessus. Mais l'optimisation aura pas ne sera pas suffisamment intéressante en termes de ROI. Il vaut mieux s'intéresser à son trafic à ce moment-là. Alors, il y avait une question par ici. Merci, bonjour. Avez-vous des exemples de sites B2B correctement optimisés? Correctement optimisés. Alors je sais pas aujourd'hui qui travaille vraiment sur l'optimisation là-dessus. Moi, j'ai travaillé un peu avec JM Bruno, qui était vraiment, alors je n'ai pas dévoilé de secret, mais il était encore à un stade assez précoce sur la maturité en optimisation, mais il travaillait bien en termes de... Enfin, il travaillait plutôt de manière collaborative, ce qui était déjà une bonne chose. Après, en B2B, franchement, je ne peux pas vraiment vous dire, ce n'est pas évident. Correctement optimisé, JM Bruno est pas mal, honnêtement. Franchement, il est pas mal.
Après, c'est lequel, le concurrent JPG, mais ils ont intégré Top Office, c'est ça? Enfin, c'est Top Office qui les a rachetés. Si je... Non, c'est pas Top Office. C'est Office Depot, voilà. Donc ça, c'est la copie américaine du site américain. Elle est pas mal aussi. Voilà, c'est des sites dont on peut s'inspirer, quoi. Lequel? Le Galet Boucher. Ouais. Tu nous as montré les tunnels sur plusieurs étapes. De plus en plus, il y a une mode sur avoir une seule page de commande intégrant le formulaire, le paiement, la confirmation. Il y a un site qui s'appelle GSL qui a fait ça. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à en termes d'ergonomie et de facilité d'utilisation? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Alors, je peux répondre précisément parce que GSL, on vient de travailler pour eux. Ça tombe bien. Alors en fait, c'est le. En plus, là, tu parles du One Page Checkout de Magento, je crois. C'est ouais. Ou PrestaShop, de toute façon, c'est quasiment pareil. C'était Magento. C'est Magento. Alors en fait, c'est un peu une légende de croire que ça va mieux transformer avec une page. Alors ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça ne veut pas dire que c'est entièrement vrai. Ce qui compte surtout, c'est que les gens puissent passer cette étape le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai qu'ils n'aiment pas, on l'a vu, hein, créer, passer les formulaires. Donc si vous avez un site où la fréquence d'achat est assez grande, si les gens commandent souvent sur votre site, vous avez effectivement intérêt à aller vers une solution comme ça, de paiement rapide. Donc soit un paiement en un clic, comme sur Amazon, mais regardez Amazon, c'est pas du paiement en un clic, hein, c'est au moins 4 ou 5 clics avant d'y arriver. Cela dit, on l'a testé, cette page-là, et elle est loin d'être parfaite. Il y a vraiment des problèmes, notamment de données qui se retrouvent sous la ligne de flottaison que les gens ne voient pas, des problèmes de contrôle. Donc elle est parfaitement, elle est optimisable, cette page-là. En tout cas, on est en train de travailler avec une agence à Lyon pour essayer de faire quelque chose de mieux là-dessus. Mais c'est pas forcément la réponse à tout. Surtout sur des sites où peut-être que les gens doivent acheter des produits chers, à ce moment-là, il vaut mieux un tunnel de commande en plusieurs étapes parce que c'est plus rassurant, on peut prendre plus son temps et réfléchir encore plus longtemps à son achat. Oui, il y a beaucoup dans vos propos d'origine de stratégie anglo-saxonne. Est-ce que vous pourriez donner une information sur l'ergonomie à la française? Est-ce qu'il y en a une, d'ailleurs? En fait, c'est la même chose. Alors, la question qui est sous-jacente à ça, c'est est-ce que les Américains surfent comme les Français? En termes d'ergonomie, c'est à peu près pareil. Ils vont avoir les mêmes réactions, hein, comme on a vu. Après, ce qui va changer, c'est plutôt la manière dont ils perçoivent les offres. Donc, il n'y a pas une ergonomie à la française ou à l'américaine. En plus, c'est le web, donc c'est complètement mondialisé. On s'inspire tous les uns des autres. Alors, c'est vrai qu'on est très influencé par les anglo-saxons, ça, c'est clair et net. Mais aujourd'hui, les plupart des studios d'ergonomie suivent les règles de Bastien Escapin, et ça, c'est des Français, mais qui ont édicté leurs propres règles d'après un autre chercheur américain. Il n'y a pas une spécificité française là-dessus. Ce qui change, c'est peut-être la manière dont l'offre. Enfin, c'est plutôt le merchandising, la manière dont les photos sont prises, les couleurs des sites. Des choses comme ça. Les offres, c'est pas les mêmes. Les Américains, c'est des hyper consommateurs. Les Français, quand même, beaucoup moins. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Après, nous, on avait fait une expérience avec Chanel. On avait travaillé en même temps sur leur site français et leur site chinois. Et la grosse différence tenait dans le fait que les Chinois aimaient bien lire. Donc, les Chinois, il leur fallait des tonnes et des tonnes de textes pour qu'ils soient satisfaits. Alors que les Français n'ont pas besoin de lire du tout. Alors, beaucoup moins. Mais après, les différences culturelles sont très... sont assez faibles, en fait. Elles sont plus dans l'offre que vraiment dans l'ergonomie. Une question par ici? On sait bien que ça embête tout le monde de remplir un formulaire. Donc, sur certains sites, le formulaire, vous tapez une lettre et puis apparaît votre site, votre adresse email, par exemple. Ça, c'est lié à l'explorateur, au navigateur, ou c'est lié au site et au formulaire du site? Alors, pour l'email, ça, c'est lié forcément à l'explorateur, parce que c'est pas une donnée qui est transmise, qu'après volontairement, ouais, par l'utilisateur. Aujourd'hui, rapport au fait qu'ils repèrent le champ email. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est ce que fait Chrome, et je crois qu'en fait, ils le font tous peut-être maintenant. Je ne sais pas, moi j'utilise Firefox, mais...
Ils pré-remplissent les champs en fonction des données que vous avez déjà remplies. Oui. Alors j'avoue que là, je suis un peu... Alors je ne suis pas dubitatif, c'est très bien comme système. Par contre, techniquement, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, parce qu'il se base sur les intitulés des champs. Oui. Et après, il est censé arriver à bien les remplir. Donc en principe, ça doit aider les utilisateurs. Moi, ce que je constate dans la pratique, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que souvent, c'est mal rempli. Mmh. Alors, parce que moi, je suis un très gros surfeur, donc j'arrête pas de remplir des formulaires. Il mélange mes données personnelles et professionnelles. Après, c'est vrai que ça mériterait d'avoir une petite étude au niveau des particuliers, parce que ça pourrait être intéressant. Parce que pour moi, ça fonctionne très bien. Enfin, le principe est très bon. Mais il est difficilement contrôlable, puisque ça dépend du navigateur. Et au niveau des frais de livraison, parce que souvent, on est obligé d'aller jusqu'au bout du tunnel, ouais, pour savoir les frais de livraison. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Enfin, est-ce que c'est justement mis en évidence auprès des offreurs pour leur dire, mettez peut-être les frais de livraison plutôt en amont, comme c'est proposé là, dans le dernier site que vous avez... Bah, les marchands ont différentes politiques par rapport à ça. Alors, il y en a qui préfèrent les mettre dans le panier. Il y en a qui préfèrent les mettre dans le panier. Quand ils savent que les frais de livraison vont impacter vraiment le total de la commande, c'est peut-être une bonne solution. D'autres qui vont les mettre après parce que c'est très compliqué de les calculer. Je pense encore une fois à 3 Suisses. Enfin, les gros VA10, ils ont des frais de livraison qui sont extrêmement complexes à calculer. Il faut absolument qu'ils puissent les faire après. Ils ne peuvent pas les faire dans le panier parce qu'en fait, ils ont besoin d'identifier les gens. D'accord. Mais la bonne recommandation, c'est d'avoir les frais de livraison le plus tôt possible, évidemment. Bon, après, si vous vendez je sais pas, des bijoux et qu'il n'y a que 15 euros de frais de livraison, enfin, ça dépend des cas, mais c'est vrai que moi, je les mettrais plutôt dans le panier. Et ce n'est pas toujours possible. Parfois, c'est un vrai problème parce que sur des produits peu chers, ça m'est arrivé par exemple d'acheter, parce que je ne le trouvais pas ailleurs, des bouquins d'occasion, et les frais de livraison étaient supérieurs au montant de l'achat. Ouais. Donc ça peut être impactant. Ah bah là, ça arrête la vente. Hein, mais ce qu'il faut, c'est quand vous avez des produits peu chers, arriver à faire un dépanner moyen de 30 ou 40 euros au moins. Parce que sinon, effectivement, vous perdez de l'argent, c'est évident. Donc trouver un moyen pour que les gens augmentent leur panier moyen. Mais bon, pas toujours possible. Hein. Bon, Amazon, en plus, vend des livres avec des frais de livraison gratuits. Donc, ils donnent l'habitude aux gens de commander comme ça, sans payer trop cher. Non, je sais. Merci. Au niveau architecture, on en est où à l'heure actuelle? On fait des développements complets de sites ou est-ce qu'on utilise des plateformes qui existent déjà, des types CMS? Et quel est le mieux pour l'ergonomie? Alors il n'y a aucune plateforme qui est mieux pour l'ergonomie parce que c'est complètement décorrélé aujourd'hui avec les solutions techniques qu'on a, puisqu'on a des couches de mise en forme qui sont séparées des couches fonctionnelles. En tout cas, si vous ne prenez pas de solution comme ça, déjà c'est pas une bonne chose. Et après, il n'y a pas de plateforme qui est meilleure qu'une autre pour ça. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui la plupart du temps les sites sont construits sur des CMS spécialisés, Magento, PrestaShop dont on entend tout le temps parler. C'est plus rare que ce soit développé à la carte, mais des fois c'est justifié chez les très grands comptes, parce qu'ils s'aperçoivent que ça coûte aussi cher. Ou alors quand c'est des sites vraiment très spécifiques, comme ChronoDrive, où là il n'y a pas du tout de possibilité de partir sur un CMS. En général, si vous êtes dans un projet de e-commerce, je vous conseille de prendre une plateforme type Magento, PrestaShop même, ou autre, il y en a quelques autres encore. Même quand votre site est très ergonomique, est-ce qu'il reste un intérêt à avoir un champ recherche qu'on voit sur tous les sites que vous nous avez proposés? On n'en a pas beaucoup entendu parler. Ouais, j'en ai pas du tout parlé parce que c'est un vrai problème, les champs de recherche. En fait, la recherche en général, parce que c'est extrêmement compliqué. Alors ça dépend de votre offre. Si vous avez très peu de produits, un champ de recherche n'a pas beaucoup d'intérêt. Comme Archiduchesse, hein, vous connaissez le site de chaussettes, ils n'ont que des chaussettes, donc qu'une paire. Pas besoin de moteur de recherche. Ensuite, les gens ont toujours deux façons de chercher. Enfin, il y en a peut-être plus que deux, mais en général, c'est on se sert de la navigation ou on se sert du moteur de recherche. Il y a des habitués du moteur de recherche et d'autres qui sont habitués à la navigation. Donc déjà, sachez analyser ça dans vos Web Analytics. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de demandes sur la recherche et qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. La recherche est aussi souvent utilisée en tant que béquille pour une mauvaise navigation, un mauvais rangement de l'offre. Si c'est mal organisé, les gens vont se rapatrier sur le moteur de recherche et l'utiliser. Et le gros problème aujourd'hui de la recherche, c'est que vous avez très peu de moteurs de recherche qui sont suffisamment compétents pour trouver les bons produits. Et il faut passer par des solutions de recherche sémantique. Je pense à Antidote, par exemple, qui le fait pas mal. Mais il faut être réaliste, ça coûte très très cher à faire. Enfin, c'est très très long, surtout. C'est très fastidieux, donc si c'est très long et très fastidieux, c'est assez cher. Donc vous ne pouvez pas vous passer d'un moteur de recherche, à mon avis, si vous avez une offre de plus de 200 ou 300 produits. Bonjour. Dans tous les sites qu'on a vus là actuellement, on était sur une interface donc plutôt bureau, style bureau. Et
quid du responsive web design ou de l'application là, parce qu'on parle vraiment de du site sur un bureau, sur, enfin sur un PC, sur un Mac, mais pas vraiment de ce qui a comme tendance aujourd'hui, iPad et mobile. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous conseillez avec ça? Alors, soit continuer à faire les tests, et quand on est en responsive design, on fait quoi? On fait. Le responsive design, je ne sais pas ce que c'est. C'est le site qui s'adapte en fonction des plateformes, c'est-à-dire que je vais être sur un. C'est juste en fonction du CSS et non pas l'architecture HTML. Ouais. Ça se passe comment au niveau des tests? Alors, test AB Test AB, test multivariable. Alors en test AB multivariable, on peut évacuer ces plateformes, on décide de ne pas les tester par paramétrage. Après, par contre, ça amène une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur ces plateformes-là? Voilà, c'est ça. Et on fait quoi? On fait une application? On fait un site? Alors moi, j'ai un avis très tranché là-dessus, c'est que les applications, ça peut avoir un intérêt, mais dans des cas très particuliers. C'est-à-dire que si on a besoin de géolocalisation, si on a vraiment besoin de fluidité, si on a besoin d'interactivité, je pense qu'une application, ça reste quand même mieux. Les inconvénients, on les connaît, et c'est pas nouveau, c'est qu'il faut les développer pour plusieurs plateformes, que ça n'existe pas, les applications multiplateformes, c'est un rêve, et que ça finit par coûter assez cher et compliqué à mettre à jour. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux utiliser justement le responsive design avec les propriétés CSS, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui permet en fait, à partir d'un seul site, faire plusieurs effectivement affichages. C'est ce qui coûte moins cher. C'est intégré d'office maintenant dans des solutions comme PrestaShop ou Magento. Donc ça ne nécessite quasiment aucun coût supplémentaire d'intégration. Et ça permet de répondre à un besoin qui est quand même aujourd'hui effectivement la mobilité qui se répand de plus en plus chez les gens. Donc sur le mobile, c'est évident. Sur les tablettes, c'est en train de venir puisque là, à Noël, les ventes de tablettes vont soi-disant exploser. Donc je pense aussi que c'est vrai. Et sans oublier qu'on va avoir la télévision qui va aussi arriver d'ici un an ou deux. Donc, qui va revenir plutôt parce qu'elle avait pas un peu disparu du paysage. Donc oui, aujourd'hui, il faut savoir adapter son site à ça. Et c'est absolument étonnant de voir que quasiment, d'ailleurs, c'est aucun grand site français aujourd'hui n'est adapté à l'affichage sur tablette ou sur mobile. Alors peut-être que c'est parce que c'est encore trop tôt. Les seuls à le faire, je crois, c'est Amazon aux États-Unis, puisqu'ils ont sorti une nouvelle interface récemment qui doit permettre d'adapter leur site aux tablettes. Alors, ils ont des applis, il y a d'autres sociétés qui ont des applis, mais ça peut être utile, mais voilà, je pense pas que ce soit... Ouais. Non, mais c'est compliqué à maintenir et à développer. Du point de vue utilisateur, oui, c'est très bien. Pour information, un des plus gros grossistes informatiques qui est Tech Data, en fait, Asanon, etc., en fait, j'étais étonné de pouvoir passer mes commandes sur ma tablette sans aucun souci. Bah, tant mieux, c'est bien. Je pense que c'est volontaire. Ah, si c'est pas volontaire, je sais pas comment ils ont fait alors. D'autres questions? Bon, a priori, c'est bon, on peut s'arrêter là. Bon, merci beaucoup.